il faut me réinviter, s'il vous plaît. Oh! Bah, désolé, mon jeu a planté. Il n'y a plus de place, désolé. Qui est le bâtard qui fait ça? C'est moi. Ah. Tu fais les animations? On voit le jeu, d'accord, super, merci à toi. Mais d'accord, ok, alors tu sais que j'ai cru que tu voulais faire chier Florence et que c'était des bruits de cabinet de dentiste, mec. Non. Moi, j'ai pas la phobie du dentiste. T'es vraiment une merde. D'accord. J'ai pas la phobie du dentiste, je suis juste légèrement anxieuse à l'idée de me faire enlever 4 dents, ce qui me semble un peu logique. Allez, au piquet. Mais il aime trop mettre ses chiens au piquet, lui, c'est pas possible. Un doigt dans le pétou sous le regard de Pétain. Il te fixe dans les yeux, là. Je vais pas citer le youtubeur en question, mais nous... Enfin, je sais qu'il a déjà raconté à plusieurs personnes ici présentes. Un youtubeur s'est fait faire un toucher rectal une fois, et avant le toucher rectal, la personne lui a dit qu'il l'avait reconnu. Voilà. Énorme. Tout à fait. Je ne citerai pas, évidemment. Je pense que c'est la pire chose qui puisse t'arriver quand tu subis un toucher rectal. Il ne faut pas le dire si c'est le cas. Ne le dites pas. D'autant plus avant. Détendez-vous, monsieur, je n'arrive pas à passer. Les gens disent force à JDG. Ah, grillé, quoi. Voilà. Vous dites tous les noms de tous les youtubeurs de la Terre, là, de toute façon. Non, mais les gens se sont plutôt accordés sur le fait que c'était JDG. C'est bon, on a lancé une rumeur. Hein. Désolé, Fred. Le toucher rectal de JDG. Gros JDG, c'est pas le. C'est pas oui, ah, pardon, c'était pas le même, pardon, mais bad. On est en solo, là, hein. Oui. Oui. Oui, oui. Du, 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 du. Je passe toujours par en bas, mais c'est peut-être par en haut qu'il faut passer, non? Tout le monde est allé en haut. Moi je passe toujours par en bas. Franchement, on s'en fout, c'est pareil un peu. Merde, bon, il y avait un ventilo. Ouais. Non, ce qui fout trop le mort dans ce jeu aussi, je suis en train de me refaire la réflexion, mais je me la fais à chaque fois, c'est qu'il y a genre 120 maps et qu'ils nous mettent toujours les 15 mêmes. Oui, oui, c'est vrai. C'est vraiment trop dommage. Putain, il y a c'est pas facile. Je l'ai vu, je le vois. Mais il est fort ou pas? C'est pas facile. Oui, il est fort. C'est pas perdu, Antoine, c'est pas perdu. Vas-y. Oui, les gens sont trop nuls. Non, en fait, vous êtes gentil de me donner des conseils sur l'opération de sagesse, pardon. Okay. Mais je refuse de le faire en général pour des raisons que je veux pas expliquer. Ah non, je vais pas vous dire. Mais c'est non négociable. Mais voilà. Mon chirurgien est d'accord avec moi. Ah, en tout cas. Mais c'est non négociable que je le fasse en général. Des vieux jeux vidéo et j'ai beaucoup moins peur à l'idée de le faire en local qu'en général. Et n'argumentez pas parce qu'il n'y a putain, pas de débat possible. C'est mort, il faut le tenir plus longtemps là. Enfin, de mon côté peut-être en tout cas. Cette fois, je vais réussir. J'ai perdu. Celui-là, c'est horrible. En fait, il faut de la chance quoi. Et c'est pas que je veux les enlever, c'est qu'on m'a dit pendant 20 ans t'as la place, t'inquiète. Et en fait, alors moi, ma strat, mais marche pas trop, c'est d'aller le plus au fond possible au début parce qu'en général, les gens cherchent à prendre les premiers pingouins. Mais je sais pas si c'est efficace. Oh, jamais j'aurai un pingouin. Putain, mais dégage toi. Mais dégage. Non, c'est pas facile. Ah, il te focus en plus. Non, pas du tout. Ah. J'ai un pingouin. Bravo. Merci. Ah bon, on est bien, on a bientôt fini là, on va être qualifié. J'ai plus de pingouin. Ah, mais c'est que 25 secondes, c'est trop facile. Ok. J'ai gagné! Bon, je suis en team là. Je suis en team avec c'est pas facile. Alors. Oh là, Florence, ça va être chaud. Ah, mais on est en solo! Oui, on est en solo. D'accord, ok, c'est pour ça que je me disais. Mais c'est trop simple, 25 secondes à 4. Ouais, mais là, en fait, le problème que t'as, la Florence, c'est que vous êtes 10 000 sur le même. Alors qu'il y en a plein partout, mais ils sont loin maintenant, c'est trop tard. Ouais, au début, j'étais solo hein, sur ce pingouin, et après, ils m'ont tous focus, quoi. Bah, c'est FF, hein. Non, c'est FF. T'es un grand auteur, je pense. Je pense que même si tu tiens 3 pingouins en même temps, là ça suffira pas. Vas-y, barre-toi avec. T'es mort. Ouais, non. T'es mort. Trop sage. Désolé. Nito, t'es qualifié toi? Non. Oui. Ah non. Ah non? Non. Croyais. Avec le toi et moi. Bon.
C'est pas Adrien Mignel, il l'avait déjà dit, je pense. Mais les gens, je vous ai dit, je ne vous dirai pas qui c'est. Je vais pas outer la personne qui s'est fait faire un toucher rectal. Oui, c'est vrai que non seulement le moment devait être désagréable, mais c'est en plus quelqu'un le raconte à ta place sur les réseaux sociaux, mais c'est oui, vraiment très chiant. Jamais de la vie, je veux dire qui c'est. Je dis juste que voilà, y a... ça, ça a existé, voilà. C'est quoi cette merde? Oh putain, alors, ah, c'est, pas... le... alors... c'est le duel de boutons, là. Le jeu m'a entendu, parce que vraiment, cette manche, je l'ai pas fait depuis 2 ans. Comment on va sur ce Monsieur duo, Gims. Déjà putain, Antoine Adel contre Monsieur Gims, que c'est? Quoi, c'est oui, pas moi qui l'ai eu à l'époque, celle-ci, cette map-là. Attends, putain, il est... Oh, je vais perdre. Oh, le Nilo. Non, il est trop fort. Antoine, accroche-toi à la vie. Non, non, non. Ouais, non, mais là, t'as fait exprès aussi. Hein. Ça, c'est, ah ouais. C'est vraiment Monsieur Gims avec les lunettes, quoi. Mais putain, mais... Tu vas le regretter. Allez, Antoine, on s'accroche. Allez. Mental. Comment il a su que ce serait celui-là? Là, derrière toi. Oui, je sais, t'inquiète. Bon, là, il va l'avoir. Putain. Au-dessus. Oui. Bien. Voilà. Bien. Putain, vous voyez, on peut toucher Rital sur cette musique. Impossible. Merde, non. Putain. Allez. Putain, je... Ok, j'y arrive pas. Il roll de fou, le bâtard. C'est impossible, j'y arrive pas du tout. Il est trop fort pour moi. Quoi, mais attends, ah non, mais en plus, t'as de la chance. Oh tous, écoute-toi. Mais putain, mais donnez tous, là, bande de fils de pute, va. Oh. Attention, le climax, là. Attention. Bien. Non! Oh, cher, c'est sans gravité. La gravité m'a baisé. Et bah, ça, il m'a mis 17 à 8. Voilà. Bah, j'ai fait une remontada de fou. Le chat qui est dans l'oversharing là, de côté de chez moi, là, je pense que je jouis cette musique. Ça me fait un toucher rectal tellement c'est une musique de baise. Laurence, s'il te plaît, tu peux garder ça pour toi. Je cite oui, Charlie 1121. Tu cites tes pensées, oui. D'accord. Regardez ça pour toi, Florence. Putain, oh putain, trop bien, une finale qui change un peu. Vous rappelez l'époque, est-ce que les mecs de Fall Guys, ils savent que Hexagone, c'est la meilleure chose qu'ils aient jamais fait dans le jeu? Ils ont peut-être décidé de plus jamais la mettre, genre. C'est pour ça qu'Antoine est mon ami, c'est parce qu'on partage des valeurs communes. Mais non, mais c'est évident, Hexagone, c'est le meilleur mini-jeu de tout Fall Guys. Et ce qui est fou, c'est que même quand bah, il tombait en boucle à l'époque, bah, ça dérangeait pas parce que la map était bien, en fait. C'était la finale, c'était Hexagone, avec la musique et tout. Enfin, c'était incroyable. Ouais. Comme Renault, mais oui. Allez, JD. Allez, JD. Pour votre JD, là, il se passe des trucs de dingue, là. Vas-y, je vais en profiter pour sucer pendant cette finale de zinzin, messieurs. Tu vas en profiter pour sucer? Ouais. Ok, go. Ouais. De toute façon, je vais me faire niquer sur un truc random. Là, c'est pas facile qui va te lurk là. Oui, putain, oui. Et puis, y a pas que lui. Non, hein, en vrai, c'est pas facile. C'est un allié. Oui. En fait, c'est pas un allié. Il est juste neutre. Il veut juste être dans les games avec nous. Point. Et X Random Rabbit. C'est un super allié. Il est dans la game ou pas? Moi, en tant que femme, je trouve que c'est un super allié. Oui, il y a aussi Random Rabbit. Il y a aussi. C'est bien. On a besoin de vous pour nos combats. C'est bien. Merci beaucoup. Hein, merci. Ok. Bon merde. Elle est trop bien la finale en vrai là, putain. Oh, c'est trop de là. Moi je vais pisser moi. Ouais, oh, t'as le temps. Bah je vais peut-être mourir direct. Pisse dans ta couche, Mintos. Lui il vient de démarrer. C'est quelle couleur qui tombe pas? Bleu et vert. Vert. Juste vert? Ouais, mais bleu aussi effectivement. Ok. Un streamer qui fait que ça juste pour jouer, c'est ok? Bah pour moi ça l'est en tout cas. Bah... Tant qu'il n'est pas nuisible et qu'il n'est pas chiant, c'est ok pour moi. Moi je suis un peu moyen. En fait il peut être nuisible mais comme il pourrait l'être avec n'importe quel autre joueur en fait. Ouais mais le fait que ce soit des gens plutôt forts et qu'ils rejoignent systématiquement les mêmes games que nous, même s'ils jouent pas spécialement contre d'accord. nous, ils pourrissent le gameplay. Mais en fait j'essaie de voir le verre à moitié plein. Pas donc en vrai full toxicité, moi je dis voilà. J'essaie juste de voir le verre à moitié plein, c'est tout. Ah dommage. Dedge. J'ai réfléchi trop tard. Rip. Eh bah putain, c'était pas facile en plus. Voilà, c'est ce que voilà ma théorie, tu vois ce que je voulais dire quoi.
Tu vois, bizarrement, je lance une game hors stream. Ah, il est pas dans la game, tu vois, c'est... C'est pas le même niveau de difficulté. Ouais. Bien sûr. Ouais. Attendez, là, la team. Bon, de toute façon, en vrai, on va pas attendre. Tu as ta couche, Mintos ? Oui. Bravo. T'as Mintos et sa couche, quoi. Pour combien, le chat, vous seriez prêt à payer pour la couche de Mintos ? La manger. Oh ! Combien vous léchez ma couche ? Oh ! Non, pas ouais, non, c'est trop, là. Ah, couche rectale par Mintos. Salut, la team. Ouais, je suis désolé de vous déranger. Est-ce que vous faites des customs ou est-ce que vous faites des trucs où vous taguez à 4 ? Si tu veux, on peut faire des... Toi, tu veux train, toi. On peut faire une custom si tu veux train. Moi, je vais me faire une petite der, là, et puis si tu veux prendre ma place, tu peux. Ah ouais, bah non, Mintos, tu vas pas dormir, mec, what the fuck ? Si, je vais aller dormir, là. J'ai double stream aujourd'hui, je suis... Mais t'es... Oh, ok. Mais okay, non, okay, mais bon. si tu veux, Rayou, on peut faire une custom. Bah non, mais vas-y, moi je fais ma game mais je tag à 4 après que Mintos dorme. Moi ça me va de tag à 4, j'aime bien le Discord. Est-ce que Discord s'est affiché en haut, à gauche de l'écran, bah, vous êtes avec le les avatars super, super. Vas-y, c'est super à tous. J'ai pas mon retour pour ceux qui sont retour à Freeze, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je pose la question. C'est toi qui raccroche, c'est toi qui raccroche. Vas-y, non, je vais pas raccrocher puisque je suis censé être en vocal avec toi. C'est toi qui raccroche. Ah bah d'accord, ok, bah d'accord, tu me regardes plus, tu veux plus, ok. Ça fait bien longtemps qu'il te regardait plus, hein, Rayou. Bah, wow. Je le regarde de fou. Hein. Qu'est-ce que je le regarde, le gonze ? C'est une dinguerie. Je trouve que ça a un peu changé quand même. Le climax, c'était une insuline-nicotine, quoi. Putain, insuline-nicotine, c'était bien. Ouais, dommage c'était qu'on bien. Ait dû se séparer, quoi. C'est saut 2023. Dommage qu'on ait dû se séparer. Pourquoi ? Parce qu'on est exactement comme Daft Punk, mec. On en équipe pas. Tout à fait. 6-6-7. Hop là. Non, pourquoi je suis avec vous ? Hein ? Les gens là. Non mais en fait, je fais des choix et les autres personnes font les mêmes choix que moi et ça me saoule parce que du coup, je suis dans le métro là. Dans le métro sur la ligne 13 à 17h30. J'ai vu dans le métro hier là sur Exit 8 là, c'était bien. Quoi ? Oui. Quoi ? Exit 8, le jeu. Ah Exit oui, 8. Ah ouais, moi j'étais fort au jeu, hein. J'ai fait 100%. Oui, pareil. Moi j'ai platiné deux jeux hier. Par contre, tous les Exit jeux. Exit 8 oui. et Hidden Cats in Paris. Ah, il y a ouais. plein de clones du coup de Exit 8 et ils sont nazes apparemment. Mais oui, pareil que c'est nul. Hein. Il faudrait que le mec de Exit 8 il fasse un Exit 30. Mintos, est-ce que tu m'as grabé juste avant le saut ? Pas du tout. Ok. En vrai, il l'a fait. Hein. Ouais, bon bah. Ouais. Avec étoile, on est les Daft Punk français, ouais. Ok. J'ai un petit peu faim, qu'est-ce que je pourrais manger ? Un gros cul, peut-être ? Qu'en dis-tu ? Fat ass. On mange de la meilleure chose du monde à côté de moi, ça fait. Un gros cul ? Un gros cul. Nice. Non, des amandes grillées. Oh. Ah oui, c'est bien ça. Oh, une couche. Oh non, arrêtez. Oh là là, mais personne n'en veut de cette merde là, c'est la map préférée de personne. Moi je l'aime bien. Non, si, y a des gens qui l'aiment bien celle-là, tu peux pas dire. Moi je l'aime bien. En plus c'est la musique de Mario Sunshine et Florence elle adore. J'aime bien cette map. C'est mon jeu préf. Non mais en vrai ça va, elle est... Elle est infâme, elle est infamisante. Tu préfères compter les fruits ou ça genre ? Pas bizarre. Allô ? Ça peut-être. Ah. Mais compter les fruits, c'est trop nul. Hein. C'est vraiment Mario Sunshine. Trop bien. Il y a vraiment vaguement un instrument en commun avec Mario Sunshine. Hein. Je suis en train de faire la réflexion, mais ça a vraiment rien à voir en fait. Je sais même pas quelle musique tu penses de Mario Sunshine. La musique de base ? Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est Mario Sunshine que tu chantes là. Oui, c'est l'île Delfino. Mike Delfino. Ah si, c'est un aspect positif que je peux trouver à Mario Sunshine, c'est les musiques sont bien. Ah, oui, elles sont bien, oui. Mike Delfino a d'ailleurs été nommé en référence à l'île Delfino, si vous le saviez pas. Voilà, je donne l'anecdote. Rien à voir, c'est en rapport avec Mike Delfino dans Desperate Housewives, mais bref. Justement, Desperate Housewives, c'est ça a commencé en 2006. Et en fait, c'est parce que le créateur était fan de Mario Sunshine qu'ils l'ont appelé Mike Delfino. Absolument. Ah, ça réfléchit, hein. Les Daft Punk sont déjà français ? Non, ils font des chansons en américain. Ok.
Les Daft Punk français, c'est toi et moi. C'est quoi votre première chanson du coup? Pas américain? Autour du monde. Sondage. VHS. Okay. Imperdable. Les Daft Punk américains, c'est qui? Bah, c'est Daft Punk. C'est Daft Punk tout court, quoi. Enfin, c'est américain. Daft Punk, ils font des chansons en américain, ils sont américains. Ah, je crois que demain, on va chercher des chars un petit peu. Hein? Ah. Franchement, moi demain je vais chercher des chats, chacun son truc, hop là. Pardon. Ça m'a un peu dégoûté quand tu l'as dit. Alors c'est réel. Alors que c'est tellement vrai, putain. Merde, c'est quoi cette merde? Okay. Faut sauter là-dessus. Il y a un cube derrière en fait. Ouf. Derrière il y a un cube sinon. Un gros cube. Énorme cube. Boum. Ah. Ta ta ti ta. Non, t'inquiète, on est en team, on est en team. Je suis en train d'arriver. Ouais, mais j'étais vraiment bien, quoi. C'est bon pour moi. Il y a du ventilo là, il n'y a pas de ventile, mais il y a ça. Oh oui. Allez, Florence. Okay. Hop là. Putain, j'ai même pas eu le temps de me qualifier. Bah ouais, c'est bizarre comment ça se fait que ce soit. C'est parce que peu importe qui se qualifie, le classement reste le même. Ok, ok. Non, j'ai pas de planning de live, les gens. Je suis en live 4 à 5 fois par semaine. De quoi? Quelqu'un me demandait juste si j'avais un planning de live et je disais que non, mais je suis en live 4 à 5 fois par semaine, voilà. Tu as fini premier? Non, j'étais pas premier. T'es genre 2 ou 3ème, je sais plus. 3ème, je crois. Toum, 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 toum. Ok, on focus les dorés. Hein? Deux? Non. Le doré est au centre. Ouais, c'est un scam. Je vais le tenter. Ok, vas-y. Allez, attrapez des trucs. C'est déjà raté. J'en ai eu un. Oh, c'est pas facile, il m'a pris mon anneau. Yeah. Oh non, je suis sur le pire. Ah, je l'ai raté. Évidemment, je l'ai raté comme un bouffe. On est tellement 12 milliards à cet endroit-là. Oh, le doré, là, mais ils l'ont gratos, ouais. Putain! On a un mais cerceau, lui, se gave! Il est où le doré là? Ah, il est là-bas. Il est là-bas, ils vont l'avoir. Ok, je l'ai in. Je sers à rien, on a deux cerceaux. Non, non plus, je sers à rien, John. Bon, il a réussi à m'avoir. Et il l'a eu. Putain, c'est catastrophe. Moi, j'ai eu 4 cerceaux. Il est où le doré? 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 Non, non, 4 c'est le total de la team Nintos, je l'ai eu. Malheureusement. J'ai eu le doré. Oh bravo. Bravo pour le doré, Antoine. Merci. Il y a un autre doré là qui est bien, c'est pas facile qu'il a. Ouais. La honte. Oh là là, la honte. Attends, Antoine, je vais essayer de t'aider. Non, non, mais j'arrête de jouer au jeu. C'est foutu. Et viens essayer de l'emmerder. Non, c'est vraiment la honte là. Je retente. Mais pourquoi tu veux retenter toi? C'est galère, essaye de grab le man. Vas-y. Là, on est trop grab le man. Bon, je vais tenter d'y aller. J'y vais. Vas-y. Je l'ai pas eu, tu peux essayer d'y aller, mais. Ah, oh, c'est impossible. Il est Ah ouais? Non. Je l'ai eu. Oh, bien joué. Bon, on est 5 sur un truc de merde, faut se barrer. Il y a un autre doré, il va l'avoir lui. Ah, ils vont l'avoir eux. Ah! Finito. Oh, les nuls. Oh, c'est vraiment horrible. Tu vas vraiment t'arrêter là-dessus, Finito? On a eu deux dorés pourtant. Oui. Ah ouais? Sur une défaite alors qu'on gagne tout depuis tout à l'heure? Oui, non mais Ryu va venir. Ok. Dommage. Ok. Hein. Bon bah demain hein. À demain. Ouais, demain. L'ami. À demain. Salut, tu te casses vraiment, c'est vrai? Oui, ah je oui suis là. Je suis, pourquoi je il mentirait? Non, c'était un prank en fait depuis le début. Regarde, il y a une caméra en face de toi. Bisous. Effectivement, elle était allumée en bleu en plus. Oui, c'était vraiment visible.
Bah des bisous Mintos. Salut Mintos. Ah il est déjà parti, ok super. Ah ok. C'était un prank, hein, il y avait une caméra. On est dispo pour Rayou si jamais. Je lui envoie une invite, il va voir que... Ça veut mais là il est en game, je vois qu'il est en game là. Et là il est en train de faire le truc où il monte les... Il fait des trucs ah, il a quitté. Ah ouais il a quitté. Il faisait quoi quand même manche. C'est le truc où tu dois... Le petit château fort que tu dois monter chaque mur là, un par un. Comment les, il les va murs. Celui-là. Et voilà. J'ai ça va bien et toi dedans. Ça va extrêmement bien. J'espère que... J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Bah ouais, tranquille et tout. Pas mal, pas mal. Et bah ouais, je te sens pas, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Vas-y, je change mon titre. C'était quoi la manche que tu faisais, Étoile, Antoine, il essayait de m'expliquer, mais j'ai pas compris. Mais si, le truc où tu dois escalader tous les murs, un par un. Tu sais, t'as des énormes blocs. Les et, caisses, ouais, ok. Ouais, tu dois monter sur les caisses et tu dois utiliser avec parcimonie ton cerveau. Ah ouais. Mec, j'aime tellement mieux quand c'est toi qui raconte que quand c'est Antoine, en et vrai. Bah merde. Et bah tu sais que c'est pas le cas des millions de personnes qui ont adoré ce qu'ils comptaient sur YouTube. Ouais, mais ça c'est l'ancienne époque. Ouais, c'est l'ancienne c'est époque. Toi, t'es un peu de la nouvelle génération, quoi, finalement. Moi, je me souviens de lorsqu'il parlait des quenouilles, c'était... Non, on disait qu'à l'époque, Antoine, il était à son prime et que maintenant, c'est plutôt Rayou, quoi. Salut, Florence, ça va? Ça va, Flo? Et bah, ça va extrêmement bien. Là, ton doigt, là? Oh, frère, c'est une catastrophe. C'est quel doigt? Le majeur. C'est trop chiant. Tu sais que vraiment, j'ai fait un tournoi Smash tout à l'heure, j'étais trop nul. C'était une catastrophe, j'arrivais pas à jouer. Quelle main? Main gauche, et je suis gaucher, donc c'est un peu chiant. Ah. T'es gaucher, Rayou? Comment ça m'étonne pas que tu sois gaucher? Pourquoi? Est-ce que c'est une question de fou? Ah, parce que je suis maladroit? Non, c'est... Je trouve que les gauchers sont un certain type de personnes que je pourrais pas définir autrement qu'ils sont gauchers et du coup... Vas-y, Antoine, est-ce que je suis gaucher ou droitier à ton avis? Et toi, t'es droitier, JD, 100%. Oh putain, il est trop fort. Vas-y, dis-le, mec, ça veut dire quoi? Je suis une merde? Non! Mais non, non! Okay, non. Justement, non, mais en vrai, je suis un peu d'accord avec Antoine, c'est vrai, il y a des gens qui disent que les gauchers sont gauchers, t'es pas étonné quoi. T'es en train de dire que je suis zèbre? Antoine, bah, Antoine, souvent Antoine, les tu vois un mon peu pote... zèbre, ouais. Antoine, tu vois mon pote Gaël K? Oui. Il est gaucher ou droitier à ton avis? Si tu me poses précisément c'est la dire qu'il question est gaucher. Sur ce mec, il est 100% gaucher, mec. Non, il est droitier, justement, il te bait, je pense. Non, il est gaucher, 100%. Bien joué, c'est trop mais fort. Oui. Oui, après, je t'ai posé, après, j'avoue qu'en posant la question. Mais oui, comme ça, je Mais t'aurais dit qu'il, était, t'aurais dit qu'il était gaucher de base. Bien sûr que oui, ça se voit. Moi, je suis gaucher ascendant zèbre en vrai. Il avait une chance sur deux, quoi. Vous avez lancé la partie ou pas là? Ah, oui. Ouais, j'ai lancé, Florence. Est-ce que tu peux t'appliquer, s'il te plaît? Parce que si on gagne pas, je désolé, me mets la manette dans le cul. Je regardais mon deuxième jeu là, vite fait là. Si on perd le FFS, ça sera ta faute. Ouais, Florence. On alterne Rayou les games solo et les games équipe. On alterne les deux. Oh, mais attendez, mais vous savez faire de l'animation sur Twitch quoi. Exactement. Vous donnez... vous en donnez tous ça, salade tomate rognon quoi. Oh là là. Super. Quel régal. Et moi, JD, je suis droitier ou je suis gaucher? Bah merde, j'ai déjà arrivé juste avant, je crois. Mais j'ai oublié, donc ça va. Okay. Non, t'es droitier parce que tu pointes tout le temps de la main droite. Quand tu montres un truc. Tout à fait. C'est aussi mes idées politiques, ça. C'est juste donc, c'est vrai, ça, on savait, mais... C'est totalement vrai. Tu dis les termes, mec. Tout à fait. Mais Florence, je suis droitier, tu es si rapide, absolument. Florence. Ouais, bah, en vrai, ça va changer, là, regarde. T'as joué dans Fast and Furious? Elle a une manette turbo, c'est tout. C'est vrai. Elle triche. Bah ouais, j'ai installé un petit mod quoi, logique non? Ouais, mais toi, t'as vu ton. T'as même pas le skin Batman, mec? Ouais, parce que c'est plus mon perso, mec. Quoi? Tu joues qui maintenant? Je suis en embrouille, Je suis dresseur de Pokémon. Ouais, ah oui, c'est vrai que tu joues ça la dernière fois qu'on a joué ensemble. Tu joues ouais, j'ai été qualifié, mais sur le fil, je crois. Hein. Mais moi là, j'ai eu envie de reprendre un peu Ridley là sur Smash, j'étais en mode. Mais t'étais. En vrai, ça se voyait que tu kiffes. Je me même meilleur qu'avec Zelda avec Ridley, très étonnamment. Ouais, je sais pas pourquoi. Mais tu kiffais bien le jeu là, t'as beaucoup joué au chalet. Ouais, excepté une fois lol. Mais oui, quand on était, quand on était là-bas. Ouais. T'as bien fait de la pré-shot ouais. Avant que. C'était après, bien. Après, Étoile, il me fout dans des spirales de Smash quand tu es avec lui, il me fait un petit Smash. Quoi puis, Non, c'est étonnant ça, Rayou qui te met dans des spirales de Smash. J'aurais pas cru. Pur consentement. Avec un petit couteau Antoine, qu'il tient de sa main gauche. Antoine, j'aimerais que s'il te plaît, tu rétablisses la vérité parce qu'en fait, les gens pensent que dans mon quotidien. Oui, non, mais je sais, c'est ton consentement. Mais tu sais, les gens. De harceleur sur le live, veut... ils pensent que je suis un harceleur. Alors que, genre, juste, alors que je vois quelqu'un, je lui fais un sourire et je lui dis petit smash. Et la personne dit tout le temps oui. Ah oui, t'es parce qu'elle un manipulateur en fait. Tu elle ne peut dire, pas mais... résister à mon charme, c'est pas de ma faute. C'est le sourire qui est dévastateur.
C'est pas de ma faute. Non mais alors, vraiment, oui, il vient te voir, il fait petit smash. Comme ça, et voilà. Et moi, je suis en mode oui, vas-y. Avec plaisir. Et on sent vraiment que si tu lui dis non, il va vraiment ressasser les souvenirs délicats du passé et tout, tu vois que... Vraiment pas. T'as une musique sad piano qui se lance, tu sais pas d'où elle vient, mais vraiment, il y a un truc, quoi. Ah ouais, je peux pas dire non. Naturel, quoi. Une dingue. Oh. Je vais même jouer avec les objets, quoi. Oui, mais c'est parce que Filza voulait jouer avec les objets. C'est moi qui ai proposé. Ah, ok. C'est moi qui ai proposé, le frère. Ah. Étoile, t'as vu que demain, que Zerator, il avait mis genre demain, il y a une émission où ça va être que cette manche en boucle. Ah ouais. Ah, c'est marrant, ouais. Je trouve. C'est vraiment pas bien, mec. Bien joué à Gakko. On met 1000 ans à tomber qualifié. En plus qu'à catastrophe, ouais. Je suis obligé de le faire comme ça. Je vais essayer de pas te hint, Antoine. Ah, mais on va pas être qualifié. Oh, oh non, c'est sur le fil. Non, quitte pas. Y'a que Rayou de qualifié. Mais c'est la manche 2, c'est la manche 2, donc on quitte ah, pas. Ah pardon, my bad. T'as pas quitté, Rayou? Non, j'ai pas quitté parce que je suis qualifié en fait. J'avais oublié que c'était la manche 2, désolé, je croyais que c'était la première. Suffering from success, suffering from anxiety. Et désolé, je suis full tryhard. Ça me fait plaisir de jouer avec vous, je suis tout excité. Tout excité. Non, je suis en full plaisir. Je suis en main sur le cœur, je suis en mode main sur le cœur. Ouais, la main est sur le cœur, le poumon respire, j'ai l'impression de respirer de l'air frais, quoi, du... Ouais, du... Ouais, je regarde... Il sait qu'il y a un skin Batman, mais... Ouais, je regarde le ciel et je me dis, est-ce que la plus belle constellation, c'est pas vous réunis, en fait. Tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mec. Ce que tu veux dire. Il est aroused. Fais attention au bloc, si tu veux mon avis sur celle-là. Ouais, gare au bloc, mec. T'inquiète. Je regarde. Regarde mes mécaniques. Hein. Je regarde le GOAT à l'heure actuelle. Ok. J'entends 10 000 bruits et le perso il bouge. Fais pas. Dash dance. Regarde les dash dance. Hein. Ça c'est une mécanique avancée. Ok. Mais il se passe rien sur l'écran là. Regarde mécanique avancée. Hein. Mécanique avancée, je dash dance. C'est super, on va mettre sur le frigo, je pense. Je redash dance. Mais je crois qu'en fait tu vas tellement vite, mec, qu'avec la cour on voit pas. C'est même pas visible à l'image, ouais. Mais genre une dinguerie, hein. Mais tu sais que mes réflexes sont identiques à ma vitesse, hein. Donc ça va extrêmement vite. Je pratique le MMA depuis maintenant 9 ans. Je suis surentraîné, je pense que si je mets une main sur un gorille, il s'évanouit. Mais je crois qu'on a pas encore inventé de technologie qui retransmette ta vitesse, en fait. Tu le connais par cœur, cette dinguerie. Bah tu sais que tout à l'heure j'étais avec mon Uber et en fait je parlais extrêmement vite parce que je faisais en fait du shadow phrasing. C'est à dire que j'imagine les phrases dans ma tête. Et en fait je mettais les phrases tellement vite que mon Uber a pas compris. Alors que je lui avais raconté tout un scénario de film et ça a duré genre 2 secondes. S'il avait eu le temps de comprendre, il a pu te voler l'idée et puis la... Ah vraiment la... Ouais non mais oui. Je suis extrêmement rapide en ce moment, je suis... Shadow phrasing. T'as jamais fait, mec, du shadow phrasing? Si, j'en fais tout le temps, mec. Un classique. Mec, tu shadow phrase, genre tu mets que des phrases dans ta tête, genre t'en fais environ genre 1600 ou 1700. Et après, genre y en a une qui sort de. Mais genre automatique, mais sans que tes lèvres bougent. Bien sûr. Là, c'est ce que je viens de faire par exemple. T'as dû dire. Ah oui, il apprend vite. Elle me passe learner, Florence. Putain. Qu'est-ce qu'il apprend vite? Oh le malaise! Oh non! Oh! Non, vous inquiétez pas, c'est cringe de fou. Oh le cringe! Vous inquiétez pas, je suis le GOAT. Oh, on s'inquiète un peu là. Ah oui, bah oui, bah là, oui. Bon, allez, on quitte, quittez. Oh non, putain! Le GOAT en action! Sous mes yeux, insane. Oh putain, me chier! T'inquiète, là on va être en team. Mais tu sais qu'en plus j'avais vraiment visualisé la manche en plus. Je l'ai shadow analysé. T'as shadow fail, non? J'ai lancé solo, désolé. Il a shadow fail, hein. C'est pas grave, solitaire, hein. Solitaire à jamais, comme on dit. On est en team. Ah mais non, on est en solo. Non, solo, 5 fois, j'ai relancé solo. Pardon, j'ai pas écouté. Ce qui est bien, c'est comme du bruit blanc pour moi. Solo d'être sous l'eau. Les 36 stream snipers vont avoir lancé avec en team normalement et on est bon. Elle était bien ta vanne, je l'ai entendu, Antoine. Super. Quelle vanne? Tu dis quoi? T'as dit quand tu parles, c'est comme du bruit blanc à mes oreilles. Ah oui, merci. C'est pas une vanne, mais ok. Putain, trop super, cool. Sublime. Trop bien, les amis. Fais du shadow listening là. Oh putain, tu. Oh non, mais. Non, demain, Antoine, j'ai une vision. Demain, c'est top 5 pour toi. Non. Mec, non, tu peux pas dire ça. Demain, c'est top 5. Après, il faut que tu manges bien. On est 40, c'est ça? Faut que tu manges bien!
Faut que tu shadow hitting Antoine avant parce que sinon c'est pas possible. Si je shadow hit mec. Ah non mais attendez. Vous savez qu'en vrai. Non, attendez. En ça de ça, si on se regarde droit dans les yeux, tu sais que quand t'as faim, faire du shadow hitting, ça te permet de tenir plus vite. En fait, quand t'as faim, genre tu te visualises. Ah ouais. En fait, moi je vois pas les images dans ma tête. Mais genre si je m'imagine de manière globale le fait que j'ai un sandwich devant moi, je peux tenir genre 5 minutes de plus. Donc je pense qu'en vrai, si je shadow hit toute ma vie, ah oui, je pense 5 minutes que je peux... Ah oui, 5 minutes de plus, oui, d'accord. Mais, oui, 5 minutes de plus, oui. Mais je pense que si je fais un perfect shadow hitting pendant genre 10 ans, je peux ne pas manger pendant 10 ans. Mmh. Ah ça pourrait être un conseil safe, go, ça. Go try, mec. Mais par contre, il faut que je sois irréprochable, genre. Genre, sur quel niveau dans ton shadow hitting. Comment tu peux être irréprochable dans ton shadow hitting, mec? Mais ça demande une concentration parfaite, genre. Ouais, parce qu'au bout d'un mois, genre, tu vas être très irréprochable, hein. Tu vas plus beaucoup manger, t'inquiète pas. Bah ouais, ça se fait, je pense. Ouais. Il fait quoi, JD, en ce moment? C'est quoi l'actu, là? Oh, rien. Ça joue à quoi? Bah écoute, ça joue à Fall Guys, malheureusement. Ok, allez, on joue dans ta gueule. Bah, Rayou, enfin. Non, t'as pas tué Rayou, t'as vu mes couilles ou pas? Attendez, je vais essayer de tuer Florence là. Non. On joue à quoi en ce moment le chat? Attends. Non, putain, Amogus, je suis la seule meuf de la soirée, laisse-moi tranquille. Hop là. Tu veux pas quand même que je dise que toi t'es misogyne quand même, merde. Pof, tu es misogyne. Pof, tu es misogyne. Viens, Florence. Mais non, mais tu vas me shadow pushing quand même là comme ça. Il a rien à faire dans cette game. Il est en train de me shadow pushing. Il est en train de shadow pousser là. T'as rien à faire dans cette game. Il shadow pousser là. C'est trop de la merde. Oh non. Je suis shadow morte. Oh non. Oh non mais je l'ai shadow poussé. Oh j'ai fait du shadow dying. Merde. Tu l'as même pas touché bro. Je l'ai même pas touché. Oui. Mon aura était trop puissante. Je suis désolé Florence. C'était vraiment du pur chilling. Parce que j'ai même pas appuyé sur ma série de d'inputs précises pour te faire tomber là. Parce que normalement c'est haut rond. Ah ouais, mais je pense droite. Que tu voulais faire du shadow failing quoi. Et moi j'ai shadow dying quoi. Tu joues avec une manette de play mec. Mais mec c'est... Bah je joue avec une manette de PS1 comme Luffy le vainqueur de l'Evo sur Street Fighter 4. Ah Luffy ouais le mec de One Piece. Ouais exactement, il a un super chapeau. J'aime trop son chapeau. Putain mais j'adore les animés mec hein. Oui moi aussi, c'est quoi ton animé préféré mec? Sasageyo. Ah c'est l'attaque des titans SNK. Et bah c'est pas vrai parce qu'en fait j'ai regardé que 2 épisodes d'Attaque des Titans, il y a quelqu'un sur Twitch qui m'a spoil la saison 6 donc j'ai arrêté de regarder. Ah nique ça. C'est quoi ton animé préféré Florence? Mon animé préféré? Ouais. Ah, putain j'en ai tellement pas vu beaucoup que c'est un peu la honte. Hein. Pokémon. One Piece, allez. Okay. One Piece. Mm. C'est qui ton personnage préféré dans One Piece? Moi c'est One c'est Piece. One Piece. Dans One Piece c'est Lan. L'âne. Tu comprends avec Shrek là-dessus. L'âne de One Piece, mais c'est parce que t'as pas vu la saison, Antoine, c'est peut-être pour ça, non? Florence, tu confonds avec Shrek, what the fuck? Somebody once told me the world is gonna roll me. I am the shadow to the ocean. Comment tu maîtrises l'anglais mec, c'est un truc she de fou. Was looking kinda dumb with a finger and a thumb. J'ai pas envie de me faire content time. Ouais, je voulais passer sur le jeu des chats mais j'ai pas réussi. On a un forehead. You were too well. Oh, je suis chaud en vrai. Waouh, t'es trop chaud. Actuellement le GOAT, deuxième. Waouh. Pas mal. Hop. Sublime. Voilà, mon personnage préféré dans One Piece, c'est la dragonne, bien sûr. Ah ouais, j'avoue, elle est pas mal. Attends, la dragonne de One Piece. À qui, Rayou, voulait faire des choses sales, on rappelle, bien sûr. Mérité. Avec consentement, of course, à pied, mais... Bien sûr. Franchement... Oh, franchement... Y'a l'un s'y consentit. Oh. Je pensais que c'était le nom d'un acteur italien, genre Calin s'y consentit. Calin s'y consentit. Je le captais pas. S'y consentit. Qu'est-ce que c'est beau l'italien, putain de merde. Je suis en train de l'apprendre sur Duolingo en ce moment. Ah ouais, c'est Duolingo. Je devrais Duolingo moi. Après je parle couramment. Bah j'aimerais bien apprendre le japonais. Parce que je suis franco-algérino-japonais. Ah oui c'est vrai. My bad. Et... Calin s'y consentit. Ça n'est pas vrai. C'est trop drôle comme van, je suis désolé, j'ai trop envie. J'essaye de step up sur mes blagues en français vu que je suis drôle qu'en anglais. Donc en ce moment je fais du travail. Duolingo qui a licencié ses employés pour les remplacer par une IA. Oh super, je viens de prendre l'abonnement il y a genre 3 jours. Oh voilà. Non. Ça fait plaisir en vrai. Voilà, j'ai pris l'abonnement il y a genre 3 jours. Ah, je suis trop ravi là.
Oh la bonne nouvelle. Eh bah super, bah Nick, bah tant pis, je On a besoin pour combien de temps, toi? Je dirais juste pepperoni pizza, quoi, voilà, c'est tout. Quoi? On a besoin pendant combien de temps? Pourtant, en plus, j'ai pris trois abonnements. Genre, je prends un abonnement à l'année, je crois. Oh non, bah oui, mais tu... en fait, si tu n'utilises pas l'application, tu leur as juste donné de l'argent. Moi, c'était super, l'IA, bah, franchement, continuer. J'ai utilisé l'appli, quoi. Voilà, bah merde. Non, mais t'as juste financé des licenciements, Antoine. Ouais, c'est ça, pas en gros. Problème. Bon, bah merde. Non seulement, il y a des gens qui se sont fait virer sur Twitch à cause de lui, maintenant c'est Duolingo. Non, mais ça commence à bien faire, Antoine. Tu détestes les salariés, en fait. Oh, je suis trop deg. Je suis haché. Mais qu'est-ce que t'as fait, Rayou? Oh là là. Oh non, ma plage, je perds toujours. Une catastrophe, catastrophe. J'ai flop en ranked. Pitié. Oui. Mais. Je vais pas être qualifié. Non. Moi aussi, non, je pense. Non. Oui. Oh, mais je suis en. Mais attends, mais c'est du nitro flop. Mais okay, okay, 2% par 2%, Rayou, je suis sûr que tu peux le faire. D'ici une heure et demie, ça devrait être bon, je pense. Mais je crois que j'ai jamais été aussi nul à chier. Mais va dessus, connard! Je peux le faire. Mais vas-y! J'en ai marre! Oh non! Je me suis fait hint et putain. Oh, c'est bugué! J'en peux plus, frère. Je vais le faire. C'est trop. Je vais le faire. C'est bon, cliquez! Never back down, never war! Non, c'est moi le dernier. Ah, j'ai 14 jours pour me faire rembourser, apparemment. Ah, c'est good. Mais parce que si tu te fais rembourser, ils vont perdre de l'argent, ils vont licencier encore plus de personnes. Charlie et Charlie et Finza qui m'ont dit ouais, nous on paye, tu vas pas regretter et tout, trop bien. Je suis en mode, ouais, vas-y, je prends, vas-y. Charlie et Lulu. C'est leur faute. Duolingo. Actualité. Ah, ok. Le bruit, c'est chez vous, le chat. T'as fait tes ranquettes de placement sur LoL, Florence? T'es en combien? Là j'ai pas eu le temps parce que comme on était au chalet et tout machin, j'ai pas trop le temps. Mais là je pense que je vais faire demain après le FFS là. Ok, ouais. Bah, tu penses que tu peux hit le GM cette saison en vrai? Peut-être pas cette saison. Peut-être pas quand même, okay. Parce que tu sais, ça fait un petit moment que j'ai arrêté, donc ouais, pour mettre dans le bain et tout, tu sais, il y a un petit moment de... Non, je peux comprendre. Mais bon, peut-être la saison d'après, franchement, je pense que ça peut être un objectif atteignable. Là je vais rentrer sur un arc sur la chaîne où je vais faire que ça, je pense. Oh, bien. Les modérateurs, ils ont grave réclamé, ils ont grave envie de modérer des streams comme ça en plus, donc j'ai envie de leur faire plaisir. Je pense que ça fait full plaisir en vrai. Ouais. J'ai envie de faire plaisir à la commu et aux modérateurs, et puis voilà quoi. Je l'ai vu le chemin, mais je sais plus où il était. Ah, il y en a deux, ok. Ah, putain. Ah oui. Quoi? Oh le flop! Ah non, faut faire saut plus. Ouais, voilà. Ouais. C'est bon. Oh le big flop et Oli. Oh le big oh, flop Rayou. Et Oli. En fait j'étais de premier et je suis... En fait j'ai flop. Et Oli. Je suis tombé tout seul. Je suis tombé tout seul. Tombé pour elle, je l'ai. Ça doit être pour que je me souvienne. C'est bon, blind test, Rayou? Oh, cette finale. Je pense qu'en vrai, je suis très fort en blind test. Je pense. C'est vraiment un truc que j'aimerais trop faire sur Twitch. Moi, je suis ultra fort blind test, mais c'est mort quoi en fait. C'est... Et bah, je pense, Antoine, que je prends ton petit cul et. Pas sûr en vrai. Hein. Oh, non, mon rêve de non, voir non, ça. Non, en vrai, je pense que c'est serré. Mais je pense que tous les deux, on est trop fort. Je pense qu'en fait, on couvre des choses que l'autre ne couvre pas. C'est très possible. J'ai déjà joué au blind test avec Antoine, c'est vraiment vénère. Je c'est le c'est trop chiant. Je déteste jouer avec lui au blind test. Il est vraiment fort. Il est horrible. Oh non, c'est le GOAT. Désolé d'être le GOAT, mec. Il est horrible. Jamais je gagne là. Mais non, mais de toute façon, c'est pas facile, t'as perdu. Ah oui. Non, il va pas gagner en plus. Si, si. Non. Ok. Mais il est trop fort, c'est pas facile. Ah, bah, il a perdu. Il a fait top 2. Il a fait top 2, ouais. Il a perdu. Random Rabbit. Je veux remercier, merci Mister ou Desbois pour le 5ème mois. Oui, bah, oui, les deux, ils c'est des habitués. Merci beaucoup pour le 5ème mois et merci Big Matt Corp pour le Prime. Bienvenue dans la communauté, merci beaucoup. Mais comme ils sont trop forts, bah on perd quand même. Merci Ici Doxy pour le 5ème mois, 16 chaises sèches pour le 3ème mois, Gundead pour le 26ème mois, Kylian pour le Prime. Bienvenue dans la communauté, merci beaucoup. Vous connaissez pas Gaku? Il y a plein de gens que j'ai oublié en fait. Chabot premier, merci beaucoup pour le 18ème mois. Café Powers pour le 26ème mois. Qui a coaché tout le monde et il est genre. Il a, je crois qu'il a 3000 couronnes, il est genre trop fort. C'est ça va être une destruction, Gaku. Gaku. En vrai, demain, s'il perd une game, c'est un truc de fou, je trouve. Je vois pas dans quel monde il perfecte pas. Putain, mais il joue à Fall Guys qu'à ça depuis des années. Putain, je suis bah, trop mort.
Je crois qu'il a genre 2700 heures sur son Twitch tracker. Ça veut dire que c'est des heures streamées en plus de Fall Guys. Ouais, c'est des heures streamées. Donc dis-toi qu'il a fait des tournois et tout. Ah ouais, 2700 heures de Fall Guys. No judgment, bien sûr, mais putain, c'est un truc de... Moi, mon objectif, j'aimerais bien faire top 5 en vrai. J'aimerais être bien. J'avais fait top 5 la dernière j'aimerais fois. J'aimerais bien être dans le top 10. J'avoue. Voilà. Pour Fall Guys ou PUBG? Mais pour PUBG, Fall Guys, je pense que je vais faire top 40. Putain, PUBG, incroyable. Hein. Tu t'es inscrit à vous ou pas? Bien évidemment que non. Ah, moi, oui, bien sûr. Bah, toi, tu es le goat de PUBG. Moi, j'ai vraiment envie que JD s'inscrive sur le FPS PUBG. Hein. Ouais, t'inquiète, c'est en cours là. Je pense que sur PUBG, tu serais littéralement le GOAT, JD, en vrai. Ouais, bah... Il a jamais joué une seule game de sa vie. Bon, t'as pas besoin sur PUBG, bah ouais, t'as juste besoin de te cacher. Il a pas besoin parce qu'il a tous les prérequis, en fait. C'est vrai, je suis juste de se cacher, t'as raison. Ouais, c'est juste j'ai peur qu'après ça vous dégoûte du jeu si je joue avec vous et tout, tellement je suis... Bah, on a déjà vu ton Kirby, mec, hein. Ouais, bah je sais que mon Kirby, voilà, ça t'a ralenti un peu dans ta progression sur Smash. En fait, je me suis posé trop de questions sur le fait, bah... Comment on peut appréhender le jeu lorsque bah, quelqu'un l'a déjà maîtrisé à 100% quoi. Oui, voilà. Mais t'es tranquille en vrai. Je me suis un peu retiré de la scène, t'as vu, donc maintenant tu peux y aller. Ah, mais... Il y a de la place. Briller. Oh, c'était surtout pour laisser Gluto briller en vrai. J'avais un peu terminé de mon côté. C'est bien qu'il y ait des grands princes, j'ai des grands princes. Place aux jeunes. Les amis, nous sommes premiers. Bravo. Tout à fait, aisément en plus. Clairement, aisément, nous avons tous les quatre terminés, sans trop d'accro. Mais non, mais je serai pas dernier au FFS PUBG, les gens, c'est bon, vas-y. Je dois laver mon honneur. Tu fais quoi si tu refais dernier? Viens, tu m'offres 10 000 subs. Je sais pas, mec, Oh mec, attends, mec, si tu refais dernier, tu dois faire un stream League of Legends avec moi. Oh, je le fais même sans ça, mec, si tu veux. Oh mec, mon rêve, la bot lane. Je le fais même. Je pense qu'en vrai, tu t'amuserais bien. En fait, si on rentre sur un arc sur League of Legends, tu trouverais ça vrai. Il faut qu'on soit 5. Mais genre à 5, tu t'amuseras à 100%. Vas-y, Antoine, si tu gagnes le FFS PUBG, je participe à la soirée. C'est vrai que t'es Bob Show, il a dit. T'as mon rêve. Oh la squad. Il y a bien une personne que j'imagine pas sur League of Legends. Mais j'ai tellement envie que ça arrive. Si tu fais top 1 les amis. Je vais top 1 PUBG, ok. Écoutez-moi bien. J'ai un play. JD, Florence, JDG, Antoine et moi sur League of Legends. C'est imperdable. Moi je pense que ce sera un stream très très drôle. C'est imperdable. Non mais en plus, moi je pense que League of Legends je kiffe. Mais c'est juste que... En fait, il faut jamais que je fasse de solo queue et avoir 5 personnes tout le temps avec moi et j'ai pas envie non plus de m'investir à fond sur ce truc là quoi. Donc ma vie, Fred, après, sur Smash, sur Oh, il serait tellement toxique. C'est incroyable. Ma vie, hein, vraiment, je veux. Mais tu sais que mec, League of Legends, des ranked, c'est... En fait, c'est même pas le contenu principal. En fait, il y a plein de gens qui jouent à LoL de ouf et qui font jamais de ranked. Hein. Non mais je veux dire, je veux juste pas faire de la solo queue en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais LOL en fait, j'ai jamais... Et merci Obik Nabi pour le 21ème mois, merci beaucoup. J'ai jamais fait une seule game, hein, vraiment. Mais pour moi, les persos de LOL, c'est des persos de TFT, tu vois. Oui, c'est ça. Mais t'as regardé un peu la K-Corp et tout, genre t'as regardé un petit peu des matchs. Bien sûr, j'ai regardé la K-Corp, mais pas que, j'ai regardé plein d'autres trucs. J'avais même regardé les Worlds, des trucs comme ça. Ouais, c'est vrai que les Worlds, j'ai toujours envie de regarder parce que j'ai un peu envie de faire partie de la hype du truc, en fait. Et je comprends, c'est tellement bien regardé. Je comprends pas grand-chose à ce qui se passe, ouais, tu pareil. Vois. Mais je vois quand il se passe des gros trucs et des trucs... Tu captes à peu près genre le Nashor, genre les teamfights et tout, tu captes à peu près ce qui se passe, quoi. Genre t'es pas en mode... En fait, surtout, en vrai, je trouve que League of Legends, les commentateurs... Essaye un peu de vulgariser de temps en temps, tu vois. Oui, voilà, je trouve que les casters sur LoL sont souvent bons et même si tu connais pas bien le jeu, t'arrives à comprendre plus ou moins ce qui se passe. Ouais, t'as des très bons casters sur LoL en France. Hein. De toute façon, en France, généralement, les casters sont très forts. Hein. Moi, mon rêve, ça serait vraiment LoL ou Valo aussi, qu'avec des gens qui ont jamais joué. Ça, par contre, Valo, je sais que c'est banger pour moi. Ça. Mais Valo, il faut le faire absolument. Genre, Valo, je sais que je vais kiffer. On est jaune, il nous faut un pingouin absolument, messieurs dames. Bah déjà qu'on est jaune, ça va être compliqué. We need a penguin. Ils sont où les... Ah là. Là y'en a... Là, y a... Putain, je vais l'avoir ce pingouin. J'en ai fait un volé un là. Merde. Ah non, quoique, c'est pas mal ce que je viens de faire. C'est goûté. Là là là, ah non, il va passer en dessous. Ouais. Vas-y, faut le protéger, protégez-le. On le protège, on le protège. Non merde. Bah le gars qui a le pingouin.
Ah mais il est pas, c'est pas en un... En fait, il y a un pingouin qui est en dessous là. Si, 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 on a... Ouais, je le vois. Je le protège, Je suis son garde du corps. C'est bien. Ah mais il y a des pingouins de couleurs différentes. Attends, on est en train de s'embrouiller pour le pingouin. C'est qui l'a eu? Pour l'instant, on est fort. C'est vrai que le pingouin, il reste bloqué en dessous, c'est horrible. Ah, il est loin. En fait, t'as l'impression qu'il reste bloqué en dessous parce qu'il se barre, en fait. Lui, là. Non, il y a un moment où il est resté vraiment très longtemps bloqué sous la structure. Ouais, c'est de la RNG, mais oui. Ouais, c'est bien là. On va. Voilà. On emmerde les rouges. Voilà. Je suis le GOAT. C'est bien, je suis le GOAT. Non, mais là, les bleus ils ont un point, bro. Ouais. Vas-y, JD, prends-le. Pourquoi tu prends pas? Non, Florence, pourquoi tu l'as pas pris? Prends-le. Parce que j'essaie de le prendre, mais j'y arrive pas. Moi, je suis en train de. Un poil trop loin. Je suis en train de protéger un man là. C'est toi en fait. Moi je protège étoile, je suis garde du corps. Attends, j'ai raté là. Ah, c'est toi et toi qui va reprendre étoile. Ah merde, non. T'inquiète. Et on a 95 points. On a 95 points. Ouais, mais c'est pas fini. Mais en vrai, ça sent bon. Oui. Vas-y, en gros. Vas-y, Antoine. À chaque fois, je suis 1 cm trop loin quoi. Non, mais ce jeu est un peu à chier en vrai, on va pas se mentir. C'est gagné la team. On les a explosés. Ah là, en 15 secondes, ils vont pas pouvoir faire grand chose, je pense. Effectivement. Oh oui, l'enchaînement Xco à la man. Exceptionnel. 145 à 16. Voilà. Bravo la team. Et bravo la team. Sublime. Pas jaune aide. Tu joues encore à mon cas ce GD? Ah de fou, ouais, tous les mardis. Parce que j'avais vu, je m'étais un peu amusé à regarder sur Twitch Tracker les jeux streamés par les gens que je connais. Mm-hmm. Et j'avais vu que t'avais 900 heures sur Among Us. Tout à fait, c'est réel. J'étais en mode 900 heures sur ouais, Among Us. C'est une dinguerie. Avant, j'y jouais deux fois par semaine à une époque. Là, je jouais une fois par semaine. Voulez-vous la stat du roi des geeks? Le roi des geeks s'appelle Lapi. Oui, j'ai 14 000 heures. Oh la stat de Lapi sur vous. Oui, oh là là. 14 800 heures sur Twitch Tracker. Oui, j'avais regardé. Ouais. Tower is not allowed. En stream 14 000 heures de World of Warcraft pour la vidéo. C'est du jamais vu. T'as un moment aussi qui est pas mal. Pourquoi ma manette? Ma manette, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Ah, je loue clavier. T'inquiète, je loue clavier. Pourquoi ma manette elle répond pas? Il faut débrancher et rebrancher quand ça arrive sur Fall Guys, c'est trop chiant. C'est ce que je vais faire, mais là je loue clavier sur cette game du coup. Ne vous inquiétez pas, on va juste gagner en fait. Ouais. Bah en fait on est déjà en avance par rapport aux deux équipes du bas donc Ouais mais si on a on perd deux personnes d'un coup. C'est pas facile à troll. Si on perd deux personnes d'un coup on peut encore perdre. Merde, je suis en plein sur lui. Mais en fait c'est impossible. On va arriver parce qu'on est les gouttes. Ouais. C'est tellement vrai mec. Ah merde, je me suis fait éjecter. Ah pareil. Ah vous inquiétez pas la team. J'ai eu un rebond facétieux. Non, tu es très bon. Facétieuse. Très facétieux bon, ce rebond. Bon, je pense que là. C'est ok. Je suis là, les amis. Ça me dit rien, monsieur Botanique. Il reste pas plus qu'étoile et moi là. Ah non, il reste un. Non, il y a que 3, mais t'inquiète. Mais il y a un Jean-Michel qui est là. Ah, je me suis fait. Non, je reste là. Le jeu le plus streamé maintenant, c'est plus GeoGuessr. Ne vous inquiétez pas, la team, je ne peux pas être éliminé. Moi, ça reste hélas GeoGuessr, mon jeu le plus streamé de très loin. Tu sais que ma première catégorie, c'est le Just Chatting, sans trop de difficultés, mais un vrai jeu. Moi en premier c'est GeoGuessr, en deuxième c'est Just Chatting, en troisième c'est Minecraft. Oh putain ouais, c'est encore GeoGuessr et ma deuxième catégorie c'est Isaac de façon assez étonnante. Oh oui, Isaac. Il marche plus Twitch Tracker chez moi. Ou alors ça a changé. Ouais, c'est très lent des fois Twitch Tracker. Non mais moi il y a marqué bad server. Enfin, oh là là, ah, ça y est. On est en finale là-dessus. Ok. C'est déjà gagné, vous inquiétez pas. Moi je joue un peu à Rocket League en ce moment en stream. Ah ouais, frère, tu joues à Rocket League. Oh ouais, c'est quoi ton elo mec? Je joue jamais en ranked. Ok. J'ai aucune idée, je suis gravier 2 genre. Je pense. Okay, gravier 2. Gravier 2 le gros. T'es polystyrène 3 mec. Ouais, non ça quand même j'ai réussi à passer. Mais... Tu sais que j'ai 600 heures sur Rocket League je crois. Je crois que 600 ou 500, j'ai beaucoup joué. En vrai je suis nul hein, mais j'aime bien, ça me détend. C'est trop bien comme jeu, hein. C'est vraiment trop bien. Mais c'est tellement dur. Ouais, non, par contre, c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur? C'est vraiment un jeu qui demande beaucoup d'investissement si tu veux être un tantinet. Exactement, c'est exactement ça. C'est démoralisant en fait. Franchement, c'est un jeu qui m'attirerait de ouf, mais trop d'investissement. Tu vas t'amuser vite en fait. En fait, t'as pas besoin d'être la goat. En fait, tu peux juste genre t'amuser trop vite avec tes amis. Mais moi, genre, juste Rocket League, c'est.
Non mais vas-y, désolé, je t'ai coupé. Non, non, j'allais juste dire, juste voir des gens qui spam quel arrêt dans le chat en permanence, ça me fait rire et ça me détend. Quel arrêt. Quel arrêt. Ouais, le jeu est tellement toxique en vrai. Ouais, ça régale. Tu joues avec qui, JD? Avec Kuri, qui est un ami, et Kemodo sur ma chaîne aussi. Et un autre... Voilà. Ça rend très bien qu'il y ait Kuri, JD. Tout à fait. Qui a participé à la Coupe du Monde de GeoGuessr. Oh, wow, le goût. La vraie ou la fausse? Laquelle? Bah la fausse, bien sûr. La fausse. Non, enfin, celle qui n'est pas la première Coupe du Monde. Je dis Florence, c'est moi qui me suis suicidé. Bonne chance à la team. Je regarde Florence. Ok. Attends, en vrai, c'est bien. En vrai, on a fait de la merde. Ton temps. Attends. C'est toi, Rayou, là. Ok, faut. Non, faut j'ai ripé. J'étais vite. Trop bien. Ouais, CFF. On a fait de la merde, on n'a pas été organisé. Tempo, Rayou, tempo, Rayou. Moi, je suis trop bien, mec. Mais en vrai, non, il est mieux en face. Il n'y a plus Kickerman en face et il est mieux que toi. Ah, quoique. Non, ouais. T'inquiète. Ah, je suis pas sûr, hein. Ah, ça se vaut. Non, si, il a plus de casque que toi. Tu sautes très vite, Rayou, j'ai l'impression que ça compte pas comme un saut. Enfin, tu sais, ça te détruit pas la plateforme. Ouais, comme ça, ouais. En fait, des fois ça marche. Des fois ça le fait, des fois ça le fait pas, mais moi j'ai vachement exploité ça. Je pense que c'est FF, hein. Oui, je pense aussi. Ah oui, il a t'aurais dû aller manger les 5 qu'il y avait sur le plateau, mais c'était compliqué. Ou alors tu tentes un saut de dégène de la plateforme non, c'est impossible. De la côté, il marche hein. Pas, ouais. Ouais, non, impossible. Impossible le saut là. À moins qu'il fasse un qui rip comme a fait Florence, hein. Franchement c'est possible. Hein. En vrai. Ouais. DMG, DMG. Ah, on était pas focus, en vrai c'était gagnable. Fuck. Top 2, c'est ok. Ok. Re-team ou... Ouais. Petit solo là. Oui, ou solo, ouais. Solo, lolo. I'm going solo, lolo, lolo, lolo. I'm solo. T'es un geek, toi, non? Tu sais, mon pseudo, ça vient de Star Wars, mec. Non. Bah, bien sûr, je sais bien. T'es fan de Star Wars, mec. Ton personnage préféré de Star Wars, c'est qui, mec? Dark Vador. Ah ouais, il est trop stylé avec sa cape noire, j'aime trop. Je suis ton père, ah, j'aime trop mec. Eh, c'est trop cool quand il dit je suis ton père en c'est vrai. Jar Jar Binks, c'est vraiment mon personnage préféré de Star Wars pour le coup. La guerre des étoiles. Je le trouve toujours très pertinent quand il parle et tout. Il a vraiment quelque chose à m'intrigue. Et bah Florent, je suis vraiment d'accord avec toi puisque tu es la goutte. Donc c'est très dur de pas être d'accord avec non, toi. Non, c'est terrible parce que Jar Jar Binks, je trouvais qu'il y avait une hate injustifiée sur ce personnage. J'étais vraiment en mode franchement, les gens ils abusent. Et j'ai rematé les films il y a pas si longtemps et je me suis dit non, en vrai toute la hate est grave justifiée. Justifié. J'ai switch en fait. Jar Jar Binks, no joke, c'est un bon personnage. Arrête. Arrête de faire arrête, la personne différente. Arrête. C'est de la merde, Jar Jar. Non, mais vous pouvez faire l'avocat du diable sur d'autres choses. Hein. Il y a des choses qui sont moins difficiles à défendre. Hein. J'ai envie de faire l'amour sur cette musique, c'est une dinguerie. Hein. Je y a pas eu un seul stream où tu n'as sur cette map, t'as pas dit ça. Mais tu vois, comme quoi je le pense vraiment. Tu te baisses. Et si jamais il y a eu un stream où tu ne l'as pas dit, c'est que tu as dit que tu as été conçu sur cette musique. Probablement, ouais. Mais c'est trop une musique de baisse de fou. Non, c'est... mec, tu jouais en 3 secondes, je pense que c'est impossible de tenir. Je sais pas, pour moi c'est elle est ultra sexy et tout cette zig. Enfin, ultra sexy cette zig. C'est quand même euphorisant en fait. Un peu agiteuse même je trouve d'ailleurs. Oh, je bande les gens là en vrai. Peut-être cut le stream en vrai. Ah ouais, en mode genre quand tu bandes il faut cut. Pourquoi toi tu cut pas parfois tu bandes. Bah en fait ça cut tout seul parce que ça passe à travers mon écran 144 Hz. Oh putain. Bien évidemment, enfin, bon, après je peux pas que tu arrêtes le streaming. Elle est devant mes yeux donc je vois plus rien. Je suis mort. Oh non, il meurt et il pend en même temps. Oh non, what the fuck, mec. Oui, more games. Qu'est-ce que c'est long ce truc. Qu'est-ce que. En vrai, la team. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ce jeu vidéo, il est tellement long, en vrai.
Il est bad long. Il est bad, on dirait un lundi. On dirait un Montag, comme dirait mes homies d'Allemagne. Hein. Comme dirait tes maisonneux. Eh, tous mes maisonneux. Je vais peut-être aller à Berlin dimanche. Ouais, tu vas faire à Berlin. Pour aller regarder League of Legends, la LEC. J'aimerais trop aller à Berlin, je suis jamais allé. J'y suis jamais allé moi aussi, mec. Mais tu vas pas y rester juste un jour si tu vas à Berlin, non? Bah mais mec, je sais pas. Avec le jet, toi, en vrai, il va vite, hein, il fait des allers-retours. Tu vas pas au mec? Ouais, c'est vrai que je suis un peu de merde. Non, 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 si non, pas mourir, pas mourir. Oh là là, Florence, ce que tu viens de faire, c'est une dinguerie. T'as vu? Florence, c'est incroyable, hein. C'est tellement dommage que je vais venir te grab pour que tu sois éliminé. Non. Ah ouais, vas-y, on arrive. J'ai le tourni depuis 1000 ans, ça serait dommage que ça va rien. Non mais go mixer au Berghain étoile là. Go y aller là. Je pense en vrai go mixer. Mais mec, non mais de toute façon en 2024 on fait au moins deux insulines et nicotine. Au moins on fait deux stades de France je pense cette année. Non mais mec, non non. Deux stades mec. De France ou rien, ouais. Sinon bidon. Ouais, c'est... Façon, si vous merci Drava pour le 36ème mois pour les 3 ans, WebG, merci beaucoup. Viens, on va voir un merci Utan pour le 10ème mois. Et on privatise la boîte que pour les viewers. Et on fait. Et on mixe dans une boîte, mec. C'est ce qu'on doit faire. Là, je croyais genre une entreprise. Bah, ok, ouais. Quelle boîte? Ah, peut-être, le... hein. Le Rex Club, mec. Non, je sais pas, on va dans une boîte. Je sais pas, une boîte. Une boîte où il y a. On peut mettre au moins 500 personnes. On lance une fléchette sur une carte de France, mec. On fait ça. À 100%. On lance une fléchette sur une carte de France. On a la pub pour le loto, là. Quand vous allez vous retrouver à Cholet là, vous allez pas faire la gueule là. Et ben, ça sera à Cholet quoi. Live à Cholet. À Langres. Bah ouais. Pitié à Langres là. Oh, ça, live mec, à Langres. Attends, dans le bar de JDG mec. J'y suis déjà allé, y'a pas trop la place pour ça, j'avoue. Mais mec, en extérieur peut-être. En extérieur. C'est bon, on fait rentrer 1000 personnes, y'a pas nous emmerder, Fred. Mais non, mais en fait, c'est très. Y a beaucoup de tables et tout, en fait, voilà quoi, c'est pas du tout. Là, à l'extérieur, c'est faisable. De mettre des tables dans un bar. Oh putain, mais il a pas de goût ce mec. C'est pas une boîte quoi. Putain. Non, mais de toute façon, on s'était dit que si on faisait un suiné nicotine en public, on mettrait forcément très 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 peu de place. Oui, et on s'était dit aussi que les revenus de la soirée reviendraient à une c'est association. 100% caritatif, ouais. Jamais on ferait de la thune sur ça. Voilà. Mais ouais, je pense en vrai maximum ouais, 200-300 places. Pourquoi pas 60 000 mec en vrai, tu vois? J'aimerais bien savoir combien il y avait de places en tout à Spidon. Vous savez ça, cette info ou pas? De quoi? De places à Spidon. De places à Spidon et Ah, je sais pas combien il y a. Quoi, 2000 non? Je sais pas, non? Non, je pense qu'il y en a pas autant. Bah, je crois qu'à Paris c'était. J'sais... Oh, étoile! Oh, je regardais pas! Oh, le bouffon! Je chillais, j'étais en mode putain, on se fait chier dans ce. Dans ce mini-jeu. Ouais, c'est de la merde ce mini-jeu. Oui, t'as le même problème que moi, des fois juste je m'ennuie et du coup je perds parce que j'ai envie de tenter des trucs débiles. Ouais, il est un peu ennuyé celui-là. Hein. Oui. Mais non, mais c'est trop cool qu'il change un peu les mini-jeux et qu'on se tape pas tout le temps. Non, j'ai idée. Non, mais je suis mort trois fois. Enfin, j'ai fait trois fois le saut. Florence, tu es notre dernier espoir, Florence. Florence? Non, Florence! Allez, ouais, on va allez, carrer, allez. Florence? Et deux games de foot où tu clutches un truc de fou, Florence. Florence, elle clutch. Oh la vache. La clutcheuse. La vache, j'ai chaud. Eh, Florence, t'as été céleste. Tu l'as ou pas? Bien vu. Rapport aux jeux vidéo. Rapport aux jeux vidéo, quel speedrun. Ouais. J'ai failli me faire Sauroned, hein. Ça existe pas, Sauron, en fait. Parce qu'en gros, genre, c'est un personnage. Il est dans le Seigneur des Anneaux, mais moi, il est. Moi, pas j'ai regardé sur les Yann chaque année et je te jure que Sauron, il ça n'est existe, pas hein. Que dans le Seigneur des Anneaux, techniquement. Pas... Tu sais que c'est mon personnage préféré dans ta palette. En vrai, dans ta lui, palette, c'est ce personnage-là. C'est mon personnage préféré. Quand il dit non, je pense pas vraiment, parce qu'en fait, j'ai joué à FF14 et ma Shadowbringer. Quoi, t'as un problème avec Shadowbringer, cette merde là? Oh, ta gueule! Ouais, Shadowbringer, c'est un chef-d'œuvre! C'est un chef-d'œuvre! De Shadowbringer! J'ai pleuré devant des pixels devant Shadowbringer, ok? Donc. Oh, t'as pleuré la honte, mec! Moi, j'ai pleuré à chaud de larmes! Oh, la honte de pleurer en vrai! Je crois qu'il y a quelqu'un qui est arrivé. Moi, j'ai jamais pleuré. La seule fois de ma vie. La seule fois de ma vie qu'il y a eu de l'eau sur mon visage, c'est quand je me douche. Je t'ai fait une faciale aussi? Donc, jamais quoi? Oh non! Non mais je respecte, vous faites ce que vous voulez hein. En fait c'est pas de l'eau mec, c'est du sperm. Mais dans le sperm y'a de l'eau mec. N'est-ce pas?
Et ensuite là c'est droit, et ensuite c'est tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. C'est dingue d'être dégueulasse comme ça. Mais tu sais que t'es dégueulasse quand... Let's go. Tu sais que t'es dégueulasse qu'avec moi, en plus avec tes autres amis, tu fais pas des blagues comme ça, hein. C'est vrai, je sais pas pourquoi avec toi je suis comme ça. Mais pourquoi avec... Mais avec moi tout le monde est toxique. Faut peut-être que je me pose des questions, je sais pas. Avec moi tout le monde est toxique. Genre tu sais, Selby qui disait... Non mais gueule. Selby qui disait qu'il avait jamais vu Royer comme ça, quand Royer il parle avec moi. Ah oui. Dans quel sens? Mais tu lui as appris petite bite aussi. Mais, tout le temps, mec. Je lui ai appris tu pues ta mère aussi. Oui, bah voilà, donc en même temps, pas de question, mec. Mais lui, il m'a appris comment insulter en espagnol. Et donc, on était obligé, c'était de l'échange de bons procédés. Florence, si tu gagnes la game, je dis des banwords, je pense. Comme ça, je touche sur Twitch. Ah merde, bah, je vais me. Je vais sauter, je pense, hein. Si jamais il reste plus que deux personnes dont Florence, je quitte le vocal instantanément. Juste des ban words en fait. Je rigole, Florence, parce qu'en fait j'ai le Louvre samedi, donc un peu la flemme. Ah. T'imagines t'es ban pour le Louvre, mec? Ce serait challenge, mec, challenge impossible de ne pas dire de ban word jusqu'au Louvre là. Challenge putain, impossible, mec. Ah, ça va être tellement dur en vrai de se remettre, mec. Toi qui aime tant dire le N-word en privé en plus, c'est une dingue. Oh non. Attends, tu imagines, oh putain, horrible. Non mais, tu imagines en vrai comme si genre les ban words c'était des trucs qu'on voulait ne pas dire qu'en stream, genre. Genre hors live, que des ban words. Exactement. Après moi je connais des gens comme ça, tel Mister MV par exemple. Tellement vrai putain, Mister MV. Tellement vrai en vrai. Pour l'instant, Florence, tu t'en sors comme un chef, mais y'a c'est pas facile. Donc bah, y'a c'est pas facile et surtout, y'a eu personne d'éliminé depuis le début, quoi. Putain, j'avoue. N'oublie pas plus, que le mucus c'est... monte, hein. Et en plus, aussi, si je gagne. Ah, non, t'inquiète que je l'ai vu, hein. Aussi. Et en plus, si je gagne, Ryu il dit des banwords, donc je suis tenté de sauter quand même. Hein. C'est très grave ce qui va se passer. Putain, c'est très grave. Aussi, je pense qu'il est là à chaque fois. En vrai, je crois qu'il y a que des gens qui sont là à chaque fois, quasiment. Très, très grave. Oh non, Florence ? Quoi ? Non, 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 t'inquiète, c'est une professionnelle. Ah non, c'est là, le spectacle. Là c'est le spec mode, t'inquiète, c'est le spec mode. C'est le spec mode de Ryu, c'est le spec mode. C'est le spec mode, vous inquiétez pas. Allez, on quitte. Non, j'en avais un peu marre, ça tombe bien. Eh, hey, Florence, trop forte, hein. Top 8, c'est la meilleure de cette mais c'est... Si t'avais vu avant que t'arrives, bon, voilà. Re le chat. Mais Florence, tu t'en sors de mieux en mieux avec la manette, hein. Avec Céleste et tout, même sur Trackmania, tu t'en débrouilles bien. Oui, mais Trackmania, j'ai beaucoup plus joué, moi. Mais ça veut rien dire. Le gars, il s'est abusé le nombre d'heures que j'ai sur ce jeu pour être toujours merdique au jeu, quoi. Non mais tu sais que les gens qui disent... Non, elle dit Fall Guys. Ah, Fall Guys. Fall Guys, ouais, c'est vraiment unfair, mais parce que j'ai passé plus de temps à spectacle qu'à jouer, je pense aussi. Mais tu sais que moi, je trouve que les gens qui disent en mode « Bah ouais, il a tant d'heures de jeu, c'est normal. » Bah moi, je trouve que mettre des heures de jeu, ça fait aussi partie du skill et de l'acharnement, et c'est mérité. Ah, mais totalement. Totalement, mais du coup, ce n'est pas à la hauteur de... En fait, Fall Guys, le problème, c'est qu'on joue souvent à plusieurs et que je suis très focus sur la discussion qu'on a plus que sur le jeu. Je oui, mais on n'essaye pas de tryhard, en non, fait. On tryhard, fout. Ouais. Sauf demain. Demain, je vais tryhard. Demain, c'est nos vocales. Mais ça sert à rien. Il y a le man... Il y a Gakko, non, mec. Non, mais le man, je le baisse, le man. Désolé, non, Gakko. Tu le baises. Je baisse Gakko. Voilà, vraiment, faut qu'on se mette à 4 dessus, quoi. Mais du coup, bon, on va juste faire gagner moment à la place, tu vois. Oh non, c'est hors de question. On est en équipe, on est d'accord, hein. Non. Ah si. Ah si, on est en équipe, oui, pardon. Je vais être premier. Bien joué, mec. Tu vas être premier, Dani ? Ouais, sur ce... Okay. Non, c'est perdu, dommage. Ah, perdu également. Oh, bien perdu même. Bonjour, Étoile. Bonjour, le frère. Oh, j'ai envie de jouer à LoL, c'est bon. Oh là là. Bah, en vrai, petite ça, game de fais, LoL tu après, fais, là. Tu fais des solo queue. En fait, c'est la nouvelle saison. Elle est sortie aujourd'hui, donc... Ça donne envie, quoi. Ah, je fais top 3. Bien joué, JD. Un top 2, j'ai réussi un top 2. Oh, je suis avec Laurence là. Hop là. Très bien joué, Julien. Let's go! That's good! Mais flex, Florence Gotesque. Florence, Antoine et JD Gotesque. Moi, j'aime trop un peu... cette map. Mais j'aime beaucoup en fait les maps de cette saison là. Ouais, c'était cool. Chouette. Dommage qu'ils en mettent plus qu'une seule. Bah oui. Ouais, c'est ça qui est dommage. C'est vrai qu'elles étaient Edwige. Vous l'avez c'est... ou pas? Ah oui. Attends, il y a un skin de Krill, non? Ça n'a rien. Non, c'est. Non, c'est pas un skin de Krill. Il n'y a pas Krill dedans. Il y a Alphino Alizé et. Jean-Pierre Raffin. Il y a Gobu et un Chocobo. Chocobo, ouais. Il y a un skin de Jean-Pierre Raffin sur Fall Guys, en vrai? Tout à fait. Ouais, ça, c'était vraiment surprenant. Ce DLC était assez inattendu, je t'avoue. Introducing Jean-Pierre Raffin to Fall Guys. Putain, mais tu sais que c'est un DLC sur Smash. Ah, il y a le Dragoon aussi.
Ouais, c'est le DLC sur Smash. C'était pas juste un esprit ? Il me semble que c'est Game Watch Raffarin que tu peux avoir, effectivement. Game Watch Raffarin ? Ouais. Putain, mec. Eh, mais toi, avec toi, on se fend la poire. Hein. Bah, tu sais que moi, je suis un peu considéré comme quelqu'un de drôle. Par certaines personnes, en tout cas. Oui. Et dans toutes les langues, genre, même en français. Par exemple, oui. Oh, c'est chaud, ouais. Putain. Allez, let's go. Je vais voter pour toi, mec, dans les Streamer Awards. Pour être le plus drôle. Il y a ça ? Ouais, ouais. Au Game Awards, en tout cas, il y avait le prix pour le créateur de l'année, en tout cas. Non, mais juste, il y a vraiment des Streamer Awards ? Ouais, ouais. Oui, oui, okay. Mais ça existe qu'aux États-Unis. Ah oui, c'est pas en France, ok. Je pense qu'en France, c'est impossible. Ça serait horrible. Ce serait trop toxique, en vrai. Ça serait horrible. Ouais. Pourquoi, mec, les trucs comme ça, ils ont toujours été trop cool, les trucs dans ce genre en France. Au States, c'est plus bon enfant. Ouais, au States, c'est grave bon enfant. Genre, tu sais, les gens, ils font les nominations en live et tout. Ça serait horrible, je pense. Ils en discutent. Et je crois qu'il y a jamais eu de drama dessus. Après, peut-être, hein. Il y a eu des dramas, je suis pas au courant, mais. Oui, peut-être, mais. Là cette année, en vrai. France, ça serait horrible, je le sais. Ouais, en France, ce serait une dinguerie. Oh, dommage. Et surtout, dis-toi, JD, il y a genre. Je crois qu'il y a 30 catégories, genre, il y a beaucoup de catégories. Ah ouais. Donc, tu pourras en faire une vidéo, JD, du coup. Yes, bien sûr, je vois cette vidéo. Pour la team. Mais sur le scripteur. Non mais ouais, la catégorie streamer le plus drôle en France, ça, comment ça serait horrible. Oh non, c'est des palpitations rien qu'à l'idée quoi. Oh les gens qui seraient en mode à terreur, des gens qui rigolent. Ouais, non, ouais. Et là encore t'es dans le côté. Qui trouve ça drôle là. Qui regarde le nom du streamer même. Absolument n'importe quelle meuf dans les propositions MDR, elle est pas drôle. Non, il y a meilleure streameuse. Ah oui, oui, c'est séparé, bien sûr. Bien sûr. La dogs. Mais il y a beaucoup de... Là en vrai, de ce que j'ai vu, ouais, c'est grave, grave stylé, grave bon enfant. Et tu sais genre ils font une cérémonie en mode Oscar quoi. Tu sais genre tout le monde se sape bien, il y a des bureaux, enfin il y a des tables, tu sais genre comme au Grammy Awards. Alexandre M, merci beaucoup pour le soutien, c'est gentil, merci beaucoup. Un peu en mode troll. D'avoir pensé à la c'est un peu en mode... En vrai c'est un mélange de troll, en fait c'est du semi-troll et en vrai c'est cool. C'est genre, c'est en mode... Tu sais genre les Awards c'est des pipeaux. Ouais, d'accord. Et du coup, non, en vrai, la cérémonie est grave bien faite. Genre, quand j'ai regardé, moi je connaissais pas du tout. Et c'est jamais maté, je crois. Je connaissais pas du tout. Et j'ai regardé et j'étais en mode putain, c'est bien fait. J'avais maté l'année dernière parce que, enfin, j'avais pas maté en entier, mais j'avais vu des trucs parce que Moist Critical, qui est un youtubeur que je suis et que j'aime bien, il avait été nommé et il avait pas pu venir. Du coup, il y avait deux sosies à lui qui étaient venus et c'était très marrant. Ah ouais, ouais. Ah oui, il avait ça, t'as trop. Ouais, c'était rigolo. Ah allez, si, j'avais regardé. Si, ah j'avais regardé en 2022. En fait, j'étais tombé sur ça parce que c'est. Il y avait une catégorie meilleur streamer Smash. C'est bon, j'ai un pingouin. J'ai moi un pingouin sauté, dans les mains. C'est pas ma faute. Non. Putain, j'ai plus le pingouin. Vas-y, j'essaie de le retenir. Oh non. JD, vas-y. Ah, je l'ai raté, putain, mais vas-y. Je le prends. Attends, mais le rouge, il est à nous là ? Ça, le rouge, il est à nous. Comment ça, le rouge, il est à nous ? Bah, non, mais le. On est dernier, la team. Oui, les rouges sont avec nous, oui. On est 4 ? On est la team rouge. Attends, là, c'est bien. Là. Ah non, c'est un bleu. Et non, on est plus que 4, dans la team rouge. On s'en fout la couleur du pingouin, non ? Oui, la couleur du pingouin, on s'en fout. Bah, tu m'as foutu le doute au dernier moment. Putain, mais où le pingouin ? C'est mort ! On est dernier, on va perdre. J'en ai un, mais je pourrais pas le garder. Voilà, je l'ai perdu. Ça y est. Je vais même pas regarder. Mais il y en a deux, là. Là, il y a un pingouin. Ouais, là, il y a des pingouins, là. Oh, mais la game est FF ? Oui. Ah, en vrai, ça peut encore, mais. J'ai pardon. Pas attrapé un seul. Pareil. Vas-y, Rayou. Je suis le GOAT. Oui, putain, attends, bien joué. On va camper Rayou là, non ? Oui, je suis avec lui. Ouais, mais on va y aller à plusieurs. C'est bon, j'en ai un. C'est bien, Florence. Ça remonte vite, on est plus dernier. Ouais. Ah, c'est bon, s'ils ont deux pingouins en même temps, c'est trop fort. Ah, dommage. Yep. Vas-y, j'y vais. Ouais, j'arrive. Mais moi, ça baisse le mur quand j'essaie de prendre le pingouin, j'en ai ras le cul. Putain, je suis giga tranquille là. Je l'ai. Ouais. Bien joué. J'essaye de choper le jaune, mais faut pas que je te grabe toi. Ouais, c'est trop dur. Qui c'est qui est là dans la mêlée là ? Personne. Ouais, on est passé. Allez, vas-y, en fait. Oh merde. Non, je l'ai eu hyper longtemps. C'est bon, c'est win. Bien joué, vraiment eu hyper longtemps. On est premier de très loin même. Premier, ouais.
Oh oui, ouais. Sublime. Let's go. Oui, la remontada. Énorme. Sublime. Oui, c'est organisé par Cutie Cinderella, tout à fait, qui est une streameuse américaine, absolument. Présenté par Patrick Timsit. Qui est très marrant. Putain, ça m'a fait trop rire. Elle a joué contre Foolish sur Valo. Et à un moment, Foolish, il lui met une dinguerie genre en 2v2. Et elle écrit dans le chat, moi, ça m'arrive de m'envoyer en l'air, tu devrais essayer toi aussi. Oui. Et genre, elle lui a envoyé ça avec un poids. Parce qu'il l'a... Et en plus, il arrêtait pas de la cut, alors que genre, dis-toi que Foolish sur Valo, il est genre gold tier. Mmh. Et il joue contre des gens moins forts, et à chaque fois il fait 50 kills et il trouve ça normal, ce chien. Bah et... oui. Après, ouais. Après, ça doit être trop bien d'être fort à Valo, frère. Attends, faire quoi là ? Prendre les anneaux ? Oui, tu connais Sonic ou pas le jeu ? Sonic, oui, le hérisson bleu. Ok. J'adore le hérisson. Bah, essaye d'être pareil, malgré le fait que, bon, bref, Sonic, putain, c'est un peu gênant. Le spawn de merde que j'ai eu. Qu'est-ce que je dois faire là ? Putain, merde. Ah là, j'ai pris des anneaux là. Je les ai tous loupés là. Ok, j'en ai pris beaucoup. Oh le bâtard. Je prends devant le tuyau, ok, c'est bon. Le bruit de quand tu prends les anneaux, beaucoup. Il est tellement satisfaisant. Bah, c'est, oh, ouais, c'est vraiment de l'ASMR en vrai. Passion de stop chez Horty là. On s'en fout. Tu sais que c'est impossible d'aimer Sonic quand tu joues à ce machin, ouais. Ok, c'est... j'en ai. C'est bon, c'est fini, c'est fini. Ah ouais, oh là là. Gotesque. Oh là là. Mais il y a une zone qui est broken. C'est pas un gros verre à bière volé dans un bar. Compliqué d'expliquer où elle est. Non. T'inquiète, j'allais pas te demander, mec. Final. Mec, en fait, elle est sur le côté à droite. Oh. OMG. Bon allez, on se retrouve. Oh, Milan là, l'hexagone là comme putain, ça. Putain, l'hexagone. L'hexagote. Ah, l'hexagote, hein, vraiment. Qui est l'hexagote dans cette équipe ? C'est Antoine. Moi, j'étais pas mal sur ce je jeu. Je pense que ça donne ma map. Merci Raffaron, merci beaucoup pour le soutien. C'est vraiment ma map préf, ouais. En vrai, c'est ma map préf. Mais là, on est en équipe, du coup, ça va être relou. On risque de se mettre en fait, il faut communiquer. En fait, on a peut-être l'avantage d'être en vocal par rapport aux autres, tu vois. Ouais, je sais pas. Je vais prendre mon temps. Tu penses que les autres sont trop pauvres pour avoir un micro ? Il y a des gens. Peut-être ils se connaissent pas aussi, peut-être ils ont tagué. Ah, tu pars du principe qu'il y a que nous qui nous connaissons ? En vrai, c'est un peu abusé. Oh, mec, en vrai. Excuse-moi mec, je suis toxique. Dégage, putain. Ok, bon, allez, vas-y, je vais là. Tu vois là, par exemple. Ah. Par exemple, là, j'ai déruiné ma vie, tu vois. J'ai dit, t'as failli me... Non, c'est moi. Non. FF, je suis en dessous. Vas-y, je vais devoir tomber également. Non, j'ai dit, tu me fous dans la merde. C'est bon. Ah, oui, je me fous dans la merde. Mais là, on a qui ? On a Antoine et on a d'autres gens, d'accord. Putain, dégage. Bon. Pas mentir, le début est pas si important de toute façon. Ouais, c'est surtout la fin. Surtout la fin qui justifie les moyens, en vrai. Oh, je suis trop con. Oh, j'étais bien pourtant. Pas grave. Ils sont trop chiants. Ok, Rayou, on va devoir se rencontrer un moment. Ouais, bah après on peut se voir dans la vie, hein, ça me dérange pas. Bien sûr. Dégage, dégage toi, putain. Le bâtard. Au dernier étage. Ok. Je ne vais pas être l'hexagone, je vous le dis tout de suite. T'es chaud et toi, Alain. Ah, oh non, lui. Oh non, il me casse les couilles, lui. Putain. Jesus. Ouais, là, c'est impossible. JD, c'est frire. Bah ouais, y'a plus que lui. Bah y'a pas du tout... Quoi ? Oh,
Mais oui, non, mais c'est gagné, c'est gagné. J'ai gagné, ouais, je suis là, je suis là, je suis là. Antoine l'Hexagone, oh là là. Et Antoine l'Hexagone, oh là là. Je suis l'Hexagone. Sublime. Sublime, bravo. Bravo. Tout simplement l'Hexagone. L'Hexagone. Le Shadow Win. Putain, il a Shadow Win. Il a imagé. Est-ce que t'as. En vrai, est-ce que ça t'arrive de Shadow Game dans ta vie, genre quand tu te balades dans la rue? Ça te. En fait, tu te dis pas quand je vais rentrer, ma partie de jeu vidéo va se passer comme ça. Exactement, mec. Non, mais en vrai, non, Orvan. Ah si les jeux à histoire, si beaucoup. Bah ouais, mais... ou même, moi, tu vois, genre, typiquement, dans le train, ça m'arrive de me dire, ok, si je joue contre tel match-up, comment ça va se passer, comment la game va se passer et tout. Ah non, je pense pas trop comme ça. Parce que aussi, je joue pas exactement le même type de jeu que toi aussi, je pense, peut-être. Du coup, je sais pas. Il y a de ça aussi. Ouais, mais... Après, on a Shadow Geoguessr, mec, dans les Alpes. On a Shadow Geoguessr à quel moment? Bah ouais, bah quand tu sais on était dans le restaurant à fondu et que je t'ai dit les trottoirs sont noirs et blancs, les bâtiments sont plutôt riches et que tu et que t'as trouvé Singapour mec. On a fait bah techniquement c'était du Shadow Geoguessr. Oui, oui, oui. C'est vrai. Très grave. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. T'as raison. C'est grave. Ouais, on a des on s'amuse trop avec Étoile. Ouais. Pardon, fallait me dire que j'étais pas prête, j'avais pas fait gaffe. Okay, non, t'es pas prête. Arrête, c'est trop bien de hang out avec moi. Hein. C'est vrai. C'est du sol là-haut. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu seras à Spidon, Rayou, ou pas? En tant que spectateur, ouais. Hein. Je pense. Hein. Toi, Florence, y est aussi. Ouais, j'aimerais bien. Peut-être pas les 4 jours, mais j'aimerais bien. Moi, c'est un événement que j'ai jamais raté en tant que spectateur. Je suis tout le temps allé voir. Mais tu sais que c'est à. C'est pas à Paris. C'est à Lyon, ouais. C'est à Lyon. Bah ouais. Ouais, mais qui dit Lyon me dit que je peux aller à Lyon et je peux faire le tournoi Smash le vendredi et ensuite aller dans le public. Bien sûr. Donc c'est parfait. Juste parfait. Oh, c'est quand tiens. C'est fin février. Ouais, ça te plairait de voir ça, JD, je pense. Attends, y a peut-être moi, un moment où je ça te plairait de ouf, JD, je pense. Je regarde en live d'habitude. Je serais peut-être encore au straight. USA. 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 C'est dans quelle ville ton truc, Rayou? San Jose. Ah, te trompe pas cette fois-ci. Ouais, je vais pas me tromper. San Jose. J'adore cette anecdote. Costa Rica. Du coup, t'as été au Costa Rica? Ah non, t'y as pas. Non. En fait, j'ai annulé le billet la veille. Ah oui, ok. J'ai cru. Que... Dans ma tête, je sais pas pourquoi, dans ma tête. Ah non, j'allais là-bas. Tu t'en es rendu compte en arrivant sur place. Ah non. Ça aurait été trop drôle que tu sois arrivé à l'aéroport et que tu sois mode. Mais... Ça aurait été une catastrophe. Parce qu'en plus, en fait, c'était mon premier voyage aux US pour Smash. Donc j'étais hyper stressé. Là maintenant, en vrai, je suis beaucoup plus détendu. En plus, je sais exactement ce que je vais faire là-bas. J'ai déjà les contacts pour cast et tout. Donc je suis beaucoup moins stressé. Mais l'année dernière, ouais. On appelle à vous, la communauté, il y a un truc dans un aéroport pour les gens qui se sont trompés entre deux trucs et genre c'est connu de fou. Genre, je vous dis n'importe quoi pour les gens qui voulaient aller en Islande et en fait ils sont allés en Irlande et ils ont confondu ou un truc comme ça et il y a un bureau dédié, ça vous parle? Ah ouais? Ouais, mais c'est pas ces pays-là, je cherche l'exemple. Ah voilà. Australie, Autriche. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Vraiment? Oui, vraiment. Putain, c'est une dinguerie de se tromper entre les deux. Ouais, c'est une dinguerie. Après, c'est juste à côté, hein. Non, mais c'est Austria et Australia, du coup, je pense que c'est pour ça qu'on se trompe. Et du coup, il y a un bureau de gens qui gèrent que ça, que les touristes qui se sont trompés entre Autriche et Australie, quoi. Putain, mais... Donc, est-ce qu'il y en a un pour San Rosé? Je ne sais pas. Ouais, c'est... Slovénie, Slovaquie pour les lettres aussi. Ah, ouais. Suède et Suisse. Putain, mais c'est chaud. C'est pas un même. Ils se disent pas les gens. En Florence, on me dit c'est un fake. Hein. C'est ah ouais, c'est un fake. Mais oui, mais je vois trop pas les gens qui disent tiens, je connais pas la ville de Vienne en Australie. Enfin, je trouve ça trop bizarre en vrai. Comment il s'appelle le mec que t'as debunk Florence? Je me souviens plus de son nom. Stéphane Bourgoin. Stéphane Bourgoin. Le ah, elle ne l'a hélas pas debunk. Hein, oui, tu l'as. Non, Antoine. Je l'ai quand même appris à beaucoup de monde quand même. Ouais, mais hey, dans ton cercle quoi. Eh, tu rends à Flo-Flo ce qu'il y a à Flo-Flo. Hein. Mais c'est gentil de retourner le couteau dans la plaie, Antoine. Non, mais respect absolu. Hein. Ouais, respect ouais, absolu, mais tu m'as quand même retourné. Dans bunks. Quelle année? 1989, il me semble. Ok. De quoi? Non, j'ai dit alors en quelle année je commençais à être une merde. Ouais.
1989 semble être le moment où tout a commencé. Ouais. Ah, t'es tellement fort pour compter les histoires, mec. C'est vrai ? Bah, t'es littéralement le goat. Ah, comment vous êtes concentré, la honte ? Vous êtes pas dans les L'anecdote n'existe pas entre Autriche et Australie. Je me suis fait avoir comme un. Comment vous êtes concentré, la honte ? Ah, et Florence, tu savais d'ailleurs si tu. Dans Pokémon, tu tournes 10 fois autour de la statue et après il y a Mewtwo qui apparaît. Ah ouais, c'est vrai ça ? Ouais. Ah ouais, bah je vais essayer. T'as vu ce qu'on vient de faire ? C'est une dinguerie. On est vraiment trop fort. Hein. Attends, mec, je tombe parce que c'était trop facile en fait, donc il faut que je recommence. Alors fais gaffe parce que. Non, mais je. C'est mort pour moi. J'ai mis 1000 ans à tomber. Oh là là, c'est tellement mort de chance. Ce flexeur de merde, mais évidemment ! Mais évidemment ! Oh, c'est mériteur en vrai pour moi. J'en ai marre d'être le goût. J'en ai réellement marre. Bon bah Florence, hein. J'en ai réellement marre. Non mais c'est pas parce que tu m'as taunt sur Stéphane Bourgoin, ça m'a fait du mal et j'ai perdu le mojo. T'as tenu à préciser que c'était pas moi qui l'avais débunk quand même. Bah c'est pas vrai peut-être. Je veux t'approprier le mérite. Mais ça suffit Antoine, pourquoi être une merde comme ça au quotidien alors que tu pourrais être quelqu'un de sympa et tu pourrais compatir en disant oui c'est chiant de t'être coupé l'herbe sous le pied. Oui, franchement t'avais eu du pif avant tout le monde. Sous le pied, t'avais du pif avant tout le monde. Dommage que tu sois trop lente. Tu peux le faire avec un ton et là, Gisette, t'as pas entendu qui soit encore moins sincère que ce que tu viens de me dire. Bon allez nique. C'est bon hein. C'est une dinguerie d'être aussi malfaisant en fait, hein. Putain. Oh non. J'ai déjà perdu parce que j'ai spawn à l'opposé du truc. Non. C'est juste injuste. Oh non. Je suis à 3000 km. Je suis à 39% là. C'est énorme. C'est horrible. Ok. Y'a aucun monde où je gagne. Ouais. Zéro monde sur gagne. Sur le rond de merde là. 4 km de la lumière. C'est horrible là. Plus frère. C'est mort. Quoi? Ah ouais, on s'est vraiment. Ah, j'étais à 50% même pas. J'étais genre à 65, un truc comme ça. Allez, c'est ciao. Vous êtes c'est chaud. Ciao, on quitte. Oui, nous on est pas mort à la game d'avant en voulant flex en tout cas, mais bref. Bah désolé de vouloir créer des sourires sur le visage de mes viewers. Tu fais sourire personne mec, je te le dis direct. Il y a au moins 2 personnes qui ont souri et 2 c'est une victoire. Oui mais c'était pour un truc qui a rien à voir. Mais... Est-ce que vous souriez devant nos lives les gens ou vous êtes plutôt neutre en termes de faciès? Non ils sourient je pense ouais. Merde j'ai lancé solo, désolé. Pas grave. Moi oui, je chiale, neutre, I'm a smiler. Moi perso je chiale mais à cause d'Antoine quoi. Seulement le tien, ah merci. Je me marre perso. Je crie, je jubile de rire. Perma sourire. Moi je souris tout le temps. Attention aux zygomatiques, ça peut faire mal. Allez. Chez moi ça dort apparemment. C'est seulement pendant Hidden Cats désormais, logique. Je meurs à petit feu, d'accord. Les gens mettent le smiley souriant de Twitch passif-agressif là. Parfait. Il est horrible celui-là. Moi j'aime trop. Any smilers in chat ? Moi j'aime trop. Hein. Any smilers préféré. C'est mon emoji préféré sur Twitch, je pense. Je suis extatique, on me dit. Je souffle du nez de temps en temps. Très bien. Solo, t'es sous l'eau, je me suis dit, c'est le moment, mais fire. Oh, je suis une merde humaine, c'est une dinguerie d'être aussi nul. Oh, le rayon de 2019, là. Ouais. Oh, Il est de retour. Non mais je suis mécaniquement tellement faible ce soir. Je suis juste à chier. Non mais je vous jure, je... En fait genre mécaniquement là, mais vraiment. En fait je représente tout ce que je déteste chez un gamer. C'est-à-dire ? Bah faible, manque de mécanique, manque de prise de décision, nul à chier avec la manette, pas précis, Antoine, pas positif. C'est ma description. Viens, non viens là. Antoine. Oui. Non, oui je vois ce que tu voulais faire. Tu voulais sauter sur ma tête ? Oui. NON! Pour moi le pire passage c'est celui des balançoires vraiment. Hein. Celui des balançoires je trouve qu'il est en fait assez aléatoire. Dans le fait que ça se passe bien ou pas. Allez en vrai, à toi. Timing mais bon voilà. Allez à toi.
Ah oh, t'es chaud étoile. Ta gueule. J'adore tilter ce man. Ta gueule un peu. Mais non, je fais pas ça moi. Je vas-y dab. Oh ils sont pas là, okay, ils sont tellement bon, nuls. Je vais jamais être plus totant. Tellement nul. Ah mon rêve, c'est vraiment qu'il y ait 3 personnes qui spawnent du ciel. Dans Paris Match. Oui, parce qu'il avait été débunk au préalable. Vous voulez vraiment qu'on reparle de ça? Et d'ailleurs, c'était pas du tout par angle droit, d'ailleurs, je me souviens. Mais putain, mais ça casse les couilles. Il y avait on avait une micro-dépression au milieu du confinement à force de lire ces récits de tueurs en série. Moi, tout ça pour rien. Tout ça pour rien. Tout ça pour que tout le monde oublie que c'était moi qui avais trouvé le truc à la base. Dans l'article de Match, il y avait vraiment marqué la première ligne. Stéphane Bourgoin, qui n'a pas été débunk par angle droit, nous répond aujourd'hui sur les polémiques. Mais je suis foutu, ça me rend ouf. Putain, des 4 mois de travail à mater des interviews en 0.25 pour pouvoir faire une retranscription. Tout ça pour quoi? Pour rien. Ça, tu te rends compte que t'es une des rares personnes à pouvoir te vanter de ne pas avoir débunk Stéphane Bourgoin? En vrai, c'est mais trop bien. Non, mais j'ai envie de mourir. Mais en vrai, Florence, tu sais que faire des erreurs, c'est pas grave. Hein. D'être nul, c'est pas grave. Hein. On va pas tous au même rythme, Florence. Et toi, par exemple, bah, tu vas plutôt à un rythme lent. Tu sais que Florence, il y a le Larousse qui m'a appelé pour imager l'image, le mot médiocrité. Et en vrai, c'est pas mal, hein. Ah ouais, si tu vas envoyer ta photo en PNG. Oh, étoile, t'es mort. Ouais, parce que j'avais, pas ma manette, je suis le GOAT. J'arrive pas à me concentrer, vous êtes trop marrant en fait. Allez, bro. Oh, c'est impossible de jouer au jeu. Ça sert à rien de s'entraîner pour ce jeu de merde. Ça, c'est. Florence, elle a pas envie qu'on débunk le fait qu'elle a débunké Bourgoin. Mais. Voilà, on rigole, Florence. La débunkeuse débunkée. Mon jet doc qui aura servi à rien quoi. Mais t'as qu'à le publier. Non. Vends-le. Comme ça on dirait juste que t'as plagié si tu le publies. Vends-le pour le The Event qui aura lieu la semaine prochaine. Ah, il a leak, putain quel bâtard. Ouais, c'était peut-être le projet mais t'as leak quoi. Putain les amis, je dois faire gagner un maillot. Tu l'as Shadow Debunk. Oh putain, faut qu'elle le chasse. Attends, mais en vrai ouais, c'est un peu ça. Hein. C'est non, quoi, c'était un trou, nique sa mère. Ah oui, y'a des trous dans la merde. Putain. Bon, ouais, c'est bon, ouais, voilà. Pauvre Antoine et moi en soirée. Tous les deux. Putain, Rayo, c'était un trou, fais chier. Oh non. Oh non. J'ai pas fait exprès. Je suis tombé dans le trou, les. Dans le trou, là. Je m'éclate de fou là. Ouais, la game non elle a l'air fun. Non. Je suis qualifié, c'est bon, ça non, se termine. Non mais non seulement j'ai des amis infâmes, si seulement on peut appeler ça des amis, et en plus je perds last minute, j'en peux plus, je suis à bout, je vais aller chercher des petits chats sur mon stream, ça casse les couilles. Elle est tombée dans l'eau avec son G-Doc. Oh, exceptionnel. Ah là là, le G-Doc de Florence. Bon, je vais sucer moi. Ah oh, yes, encore une manche de 3 minutes. Ok. T'inquiète, tu pourras débunker plein d'autres trucs. Genre. Quoi le prochain truc que t'as envie de débunker, Florence? J'en ai une dans mon viseur de fou, j'en ai déjà parlé. Ah, mais oui. Tu me l'as dit. Ah, c'est qui? Mais non, mais c'est... en fait, c'est pas aussi croustillant que Stéphane Bourgoin, mais en fait, c'est une meuf qui s'appelle. Comment elle s'appelle déjà? Allez, bon, ça commence. Non, pas Paola. Attends, je confonds toujours. C'est... En fait, c'est Nioli. C'est Nioli, N-I-O-L-Y, et en fait c'est la mode des faux millionnaires ou slash milliardaires sur TikTok qui font croire qu'ils sont giga riches, et je suis sûre cette meuf c'est une arnaque ambulante, tu vois. Et en gros, elle fait croire qu'elle est millionnaire de fou, mais en fait elle vend des formations à la con. Un peu comme, comment elle s'appelle la meuf dont il y a eu la série là? Oui. Margaret Thatcher? Non, non pas non, celle-là. Non, c'est pas elle. Putain, j'en mettais la série en plus, comment elle s'appelle? Anna Delvey. Inventing Anna. Anna Delvey. La série Inventing Anna, et clairement c'est quelqu'un qui a, bah, qui s'est fait débunk de ouf par les autorités, parce qu'elle payait pas, et Nioli, je pense que c'est la nouvelle Anna Delvey, et c'est vraiment pas la seule dans le genre à être sur Insta et sur TikTok, mais le pire c'est que ça finit par marcher en fait. Donc, les gens, voilà. Ils aiment trop les millionnaires. Hein.
Mais je peux pas. Enfin, c'est moins intéressant à débunk parce qu'en fait, ça me paraît vraiment évident que c'est les fakes de bout en bout. Alors que Stéphane Bourgoin, il y avait vraiment un peu de doute, tous les jours, il y avait un nouveau truc sur Stéphane Bourgoin. À chaque fois, tu nous disais, je m'en souviens, c'était insane. Ah, mais moi, je vous ai cassé les couilles. Hein. Rayou, on n'était pas proches à ce moment-là, mais JD et Antoine, je leur ai cassé les couilles 2000 à ce moment-là. Et monté aussi, ouais. Ils en pouvaient plus. Hein. Ils ont subi l'enquête malgré eux. Hein. Après, je pense que ça doit être addictif de fou en vrai, comme genre d'enquête. Ah mais elle ne parlait que de ça. C'était c'était hyper intéressant parce que c'est vraiment le truc où tu tires sur un truc en pensant trouver une piste et t'en as 5 nouvelles qui s'ouvrent en fait. Le truc c'est que comme le sujet était hyper dur psychologiquement, c'était très dur et c'est pour ça que j'ai pris du retard entre guillemets sur la sortie de la vidéo. Parce que en fait il adorait donner des détails vraiment hardcore. Et au bout d'un moment j'étais un peu en mode je peux plus tanker tu vois. Mais c'est vraiment un truc de fou parce que ce mec-là, il a fait croire à tout le monde que sa meuf de l'époque, elle s'est fait buter par un tueur en série. C'est ça qui l'a emmené là-dedans. Ouais. Et tout ça, c'était faux. Je trouve ça trop glauque de mentir là-dessus, en fait. C'est horrible de mentir sur un truc pareil, ouais. C'est trop fou. Et c'était aussi un peu le problème, c'est que je voulais justement l'accuser d'avoir menti là-dessus, mais il fallait vraiment que je sois sûr à 100%, j'étais qui raconte de la merde, tu vois. Parce que s'il s'il montrait la preuve par A plus B, bah si ma meuf elle a effectivement été tuée par un tueur en série, bah j'étais en mode bon, bah c'est FF, fin de carrière, je retourne au gré de la fête, tu vois. Ouais. Je m'enterre. Glauque mais malin car dur à parer. Oui mais sauf que du coup quand on lui demandait c'était qui le tueur en série en question, bah il savait pas quoi répondre il me semble. Ah mais tout le monde est éliminé, what the fuck. Non, il disait qu'il voulait pas répondre pour des questions de confidentialité. Sécurité. Parce qu'il voulait pas qu'on fouille sa vie etc. Ce qui était un argument qui était pas idiot en soi tu vois. Après moi, enfin à chaque fois les gens ils me demandent, parce que je vois dans mon chat aussi on me demande ça. Genre, j'avais pas prévu de faire un débunkage en règle de cette personne, c'est juste que je suis tombée sur son contenu, j'ai eu un doute et j'ai commencé à creuser et c'est là en fait. Une fois que t'es dedans, c'est trop tard. Ouais, voilà, c'était pas un projet, j'étais pas en mode alors qu'est-ce que je vais débunk aujourd'hui ? Qui est-ce que je vais débunk aujourd'hui ? J'aimerais trop retrouver un truc comme ça, en vrai c'était hyper grisant de chercher. Go t'intéresser un peu à Oussama Hamar, Florence. Oui, mais lui s'est tiré sur l'ambulance, lui. Bah, apparemment, non, en vrai. Bah, il est quand même populaire, hein. Bah les gens disent que c'est pas une arnaque hein. En vrai, go t'intéresser à Rivenzy, tu vois, c'est la maître mythomane quand même. Je sais pas. Hein. Moi je sais pas. Après, lui c'est un peu tiré sur un blanc, c'est comme Idriss Aberkane, c'est pareil quoi. Bah je connais pas en fait. En fait moi sur TikTok, tu veux savoir ce que c'est mais pour toi TikTok. Attends regarde. Que du Idriss Aberkane, je trouve ça bizarre. Que Oussama Hamar en boucle là. Attends je vais te dire. Le Z principalement. Kameto, Smash, Cuisine, Peinture. Le problème, c'est que Idriss Aberkane, c'est dangereux. Kameto, Smash, Slime. Je vous parle en privé. Je vois que juste souvent il fréquente des Quizzy. Communautés qui sont très virulentes et très harcelantes sur les réseaux. C'est pas très. Je touche pas à ça, moi. De la danse. Moi, pour le coup, j'ai rien du stream ou de YouTube sur mes pourfaits. T'as quoi ? Des trucs qui sont soit complètement absurdes, drôles, machin, soit les trucs qui m'intéressent. Ou soit beaucoup en de plus, trucs de la en rapport avec la musique, soit de la MAO ou quand du jazz ou des trucs comme ça. Il y avait personne qui avait ouais, des doutes en du fait. Jazz. Mais du jazz moderne, on va dire, tu sais, un peu jazz fusion. Ah, c'est vrai que mais ça, c'est trop bien le jazz fusion. Bah, c'est toi qui m'as fait découvrir en vrai. Je connaissais pas trop que tu me montres. J'adore. Ah, elle est tellement bien. C'est quoi cette. Putain, j'oublie à chaque fois. Celle que tu m'as montré. Le avec, le, avec, le, avec le solo de clavier, oui, ouais, c'est Lingus de Snarky Puppy. Ouais, c'est ça, putain. Non, je l'ai pas publié en 4 parce qu'il aurait fallu. C'était des notes perso, il aurait fallu que je les réécrive pour que ça soit lisible pour des gens. Et du coup, je m'assois complètement sur la présomption d'innocence. Enfin, pas la présomption d'innocence, mais sur le conditionnel plutôt. On m'a fait découvrir pendant que j'étais au chalet là. Parce que c'était des notes pour moi en fait. Que André 3000 de Outkast, il a fait un album d'ambiante et c'était incroyable d'ailleurs. Il y avait 80 pages ou 90 pages. Ouais. J'ai demandé du coup à Pedro et c'était André 3000 quoi. Pedro, littéralement le GOAT. Trop cool Pedro. Ah oui, c'est vrai, faut se propulser. Ça peut être un peu aléatoire quand même. Hein. Oui. Allez, à toi. Oui, ça fait plaisir d'avoir cette map. Une map que j'aime bien. En fait, je crois que mes maps préférées, c'est les premières maps en vrai, je crois. Genre les balançoires, mec, ça te manque un peu là. Bah moi, j'aimais bien les balançoires en vrai, ça va. Ça va. C'est juste balance, la red si tu commences début CFF.
Si tu commences à la fin, pardon, c'est FF, les balançoires. Bien joué, le GOAT. T'es trop chaud, mec. Ouais, toi, ouais, et toi, ouais. Et toi, les efforts, hein. Oh non, ouais, moi, c'est nul, ouais, par ouais. contre. Oh non. Non, je gagne cette game, j'ai fait trop le malin depuis tout à l'heure. J'ai... Pourquoi j'y arrive pas, pourquoi j'arrive pas, pourquoi j'arrive pas à me propulser? Saute très en avance. Oui, voilà, c'est ça. J'avais pas capté que c'était ça. C'est hyper dur, hein. Faut sauter très en avance. C'est bon. Allez, on les explose. Hein. Mais ouais, l'album d'ambiance de André 3000, vraiment trop bien. Ouais. Il y a aussi le médecin légiste qu'on voit un peu partout dans les temps. Parfois, je me demande si c'est pas un peu too much les anecdotes. Mais je me trompe sûrement. Trop facile ce jeu. Aussi pas aussi... ce jeu. Hop là. J'avais aussi un autre doute, raison. Mais en vrai, c'est vraiment chaud. En vrai, c'est juste. Comment s'appelle l'album? Je sais pas. J'avoue, je sais pas. Mais j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui étaient sur un peu sur le coup. C'est probablement des derniers trucs qu'il a sorti en solo. C'est très spécifique. L'autre jour, je m'intéressais à la Corée du Nord. Assassin's Creed, il est trop nul. Et je parle à vous. Hein, Rayou, t'avais créé des mains par un moment. Soit clair que personne ne me répond. Je me suis intéressé à la Corée du Nord. Et notamment aux personnes qui ont réussi à sortir de Corée du Nord. Florence, on t'entend plus si jamais. Oui, parce qu'en fait, je suis en train de raconter un truc à mon chat, mais je peux vous raconter si vous voulez. Mais vas-y, fais-y. Mais on parlait des gens qui sont un peu sus ou quoi. Et l'autre jour, je me suis intéressé à la Corée du Nord. Et en fait, il y a pas mal de gens sus là-bas, je crois. Je m'intéressais aux gens qui ont traversé la frontière, enfin qui ont réussi à s'échapper entre guillemets de la Corée du Nord, tu vois. Ah, et tu cherches un mytho parmi les gens qui racontent ça ? Non, en fait, je cherchais pas un mytho, je m'intéressais vraiment à comment les gens font pour quitter la Corée du Nord, en fait, parce qu'il y en a quelques-uns quand même qui ont réussi. Avec un trampoline. Mais c'est vraiment chaud, quoi, donc voilà. Il y a une meuf, où la façon qu'elle a de raconter les trucs, je trouve ça un peu étrange. Et j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient des doutes dessus, et c'est souvent, tu sais, la même personne qui est invitée sur les plateaux pour parler justement de la Corée du Nord. Ok. Et il y a d'autres personnes qui avaient réussi à s'échapper et qui disaient, mais en fait... je trouvais qu'elle racontait un discours qui collait vachement à l'imaginaire qu'on a de la Corée du Nord. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois. Et j'avais trouvé ça un peu étrange, un peu dans le cliché, un peu... Enfin, dans le cliché, je dis ça comme si je connaissais le pays, mais... Ça m'a un peu attiré l'œil et j'ai regardé son net et il y avait d'autres personnes qui disaient en vrai ça paraît un peu étrange comme discours. J'ai pas son nom par contre, mais pas. Si... Hein ? Comme quoi en mode elle est jamais allée en Corée du Sud. Comme quoi elle serait pas nord-coréenne en fait et que son histoire est fausse et qu'elle fait ça pour la fame quoi. Ouais. Mais en fait c'est... Bah, c'était comme t'avais une meuf qui avait fait croire qu'elle était rescapée du 11 septembre aussi. Oui bah par exemple tu vois. Typiquement. Mais ça, en fait, quand tu t'attaques à ces gens-là, si tu te trompes, putain, tu passes pour la dernière des merdes, quoi. Oh non ! Ah non, ça va. Ah non, ça va pas, en fait. Mikata. Vous inquiétez pas, on est qualifié, la team. Mais là, le nom de la personne et son témoignage, vous pouvez le retrouver assez facilement, en vrai, si vous tapez... Ah oui, il y avait un gars qui avait fait croire qu'il était au Bataclan aussi, je m'en souviens. Ouais, c'est sûr. Oh, ça me dit un truc, ça, c'est horrible. Oui, dans le chat, vous avez le nom, là. Yeonmi Park. Mais je ne suis pas sûr de ce que j'avance, dit, hein. C'est juste que j'ai eu un peu Pap en mode... San l'a... On me dit que Papsan l'a interviewé, quoi. Ah ouais. Une dinguerie. En fait, j'ai regardé plusieurs de ses interviews et j'ai trouvé qu'il y avait des détails qui étaient vraiment étranges. Ok. Mais si ça se peut, pas du tout, tu vois, hein. C'est peut-être que ça se peut, elle est vraiment... elle s'est vraiment échappée de Corée du Nord et tout, mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient des petits doutes aussi. Et ouais, la meuf qui a fait croire... Je sais qu'en plus, elle était genre présidente d'une association de ouais, c'est vraiment du 11 chaud. Septembre. Ouais. Et en fait, c'était juste faux, quoi. En fait, je sais plus si c'était... Elle était rescapée ou elle avait perdu un proche. Je sais plus ce que c'est... Non, je crois que c'était qu'elle était rescapée, en vrai. Je crois que c'était ça, l'histoire. Je me souviens plus exactement ce que c'était. Mais genre, c'était vraiment le visage des rescapés du 11 septembre. Je cette meuf. Ouais, c'était vraiment chaud. Ah non, elle disait qu'elle avait perdu son fiancé. C'était ça ? Ok. Et depuis le début, c'était un prank de Greg Guillotin. Oh non, Greg Guillot. Greg Guillot. Greg Guillot. Faites attention aux blocs sur celle-là, hein, si jamais. Oui, putain, les amis, tout à l'heure, j'étais un tournoi Smash. Et il y a un viewer qui m'a reconnu, genre au début du tournoi. Ça va, il la m'a star, dit. Non, mais attends. Et ta gueule. Je sais. Et il m'a dit. Ah, oh, mais tu joues à Smash, je savais pas.
Donc je pense que... C'est le seul gars qui te connaît, mais qui ne sait pas ça. Ouais, donc je pense, les amis, je parle pas assez de Smash Bros. Je pense que si, en vrai, mec. Non, vraiment, pense... un mec t'as reconnu et t'as dit ça. Et il y a trois témoins, donc c'est même pas une vanne. Genre, c'est... Non, mais je te crois, franchement. Non, mais oui, il a vraiment dit ça. Il a dit, ah, mais tu joues à Smash, je savais pas. Mais, bah, en même temps, tu fais ou alors, peut-être qu'il était vraiment très cynique et il était tellement bon qu'il a pas... En vrai, il était full premier. Pourquoi je me fais hard focus, là? Je peux vivre ou comment ça se passe? En plus, il m'a demandé après, il m'a dit qu'il avait son meilleur pote qui était giga fan et il a demandé une photo. Il m'a demandé une photo en mode. Et du coup, ça se voyait qu'il était premier degré, genre qu'il me connaissait de nom, mais en fait, il a dit en mode putain, je savais pas que tu jouais à Smash, ça m'a mis très bien. Mais après, t'as forcément des gens qui regardent, genre par exemple, que la vie de la culture ou quoi, bah, qui sont dans des jeux vidéo. Mais oui, surtout sur YouTube. Oui, mais en fait, tu t'en parles beaucoup, non? Jamais, mec, jamais. Non, je disais, je savais pas que t'aimais Mario, genre, c'est. Non, tu forces. J'aime pas trop, en vrai. Je pense qu'il y a plus de gens qui savent que JD. Qui savent pas que JD aime Mario que de gens qui. Bon, bref, t'as capté. Ouais. Faut vraiment pas faire d'efforts, hein, pour le coup. Mais JD, Mario n'est pas au centre de son contenu. Attends, toutes les bandes sont sur ces vidéos, c'est quoi Mario? Ma pépé Twitch, c'est Mario. Mais il y a plein de gens qui te regardent que sur YouTube, mec. Oui, bah, toutes mes bandes sont, comme elle vient de le dire, c'est des. Enfin, voilà. Les t-shirts de toutes ces vidéos. Quasiment, c'est que des trucs. Oui, non, mais d'accord. Non, mais oui, ok. C'est soit mais... des trucs type North Face, Columbia et genre de marque ou Mario, quoi. Allez, l'équipe! Non, t'es mort? Non. Comment t'as fait, en fait, Rayou? Les héros ne meurent jamais. Ah ouais. Je crois que t'es mort, ouais. T'es peut-être pas un héros, du coup. Il continue à vivre dans le cerveau des gens qui l'aiment. Ah ouais? J'espère qu'on va gagner. Mais je pense que oui. Mais bien sûr qu'on gagne. Ouais. Je me fais grab, mais quelque chose de bien là. Oh, Florence! Ah ouais, mais c'est je me pas... fais grab du coup. Florence est dead, mais c'est bon. Je suis très winning. C'est bon. Easy, c'est bon. En vrai, c'est pas. Y'a quelqu'un dans mon team qui dit: je savais pas que JD faisait du YouTube il y a 2 semaines. Ah, ça par contre, ça m'arrive souvent. Ah ouais? Ah ouais, dans mon chat, y'a plein de gens qui disent: ah, mais tu fais des vidéos sur YouTube aussi alors qu'ils sont là depuis un an, tu vois. Après, c'est dit, ils en sortent pas beaucoup aussi, donc c'est pour ça peut-être. Oui. Mais ouais, pour moi, voilà. Ouais, et j'ai envie de faire une full investigation sur YouTube. Non, je passe plus de temps sur Twitch que sur YouTube, mais oui. C'est la finale ou pas? Non. Non. Si, forcément. Ah non, c'est peut-être du contre deux groupes. Non, non, c'est pas la finale. Ouais, bah c'est deux teams contre deux. Moi, je suis pas assez spécialiste de la Corée. Et toi, Antoine, tu te lances quand sur YouTube? Malédiction! C'est qui? C'est toi? C'est Rayou qui a la maladie. Au tueur en série et au droit pénal, j'ai un peu plus de temps. J'ai l'impression à chaque fois qu'on joue à ce mini-jeu avec lui, ça tombe sur lui, c'est quand même chelou. Ah, c'est bizarre. Bizarre le jeu. Voilà, c'est exactement ça. Yoni Park qui dit que les gens... qui dit que les parents nourrissent leurs enfants avec de la boue. Débarqué, un joueur de Chine. J'en ai intoxiqué, hein. Bien joué. Tellement toxique, le bro. Oh ouais. Bravo pour la toxicité, Rayou. Le mec que t'as intoxiqué veut m'intoxiquer à son tour. Oh non, mais les développeurs ont pris de la drogue ou quoi? Ils en ont pris ou quoi là? J'hallucine. La musique de baisse, ça aussi, c'est une dinguerie. Oh non! Ok, le mec est nul. C'est ça que le mec est nul. Oh merde. Je crois qu'on est nul dans notre team. Ah! Grabez-le! Je sais pas où t'es. Bien joué, oh, étoile. Oh. On avait un de retard, ok. Oh, étoile! Oh non! Je me suis fait grab! Moi aussi, je me suis fait avoir. Ah, on s'est fait avoir tous les deux en même temps, comme des bleus, si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que rapport tu veux dire. Rapport à notre couleur. À la couleur des bleus, ouais, tout à fait. Si là j'en réchappe, il y en a 3 sur moi. On est mort, il reste plus qu'un. C'est Florence qui reste? Non, c'est moi. Oh! Mais j'étais le seul à intoxiquer. Oui, oui, t'étais le seul. T'étais le seul à faire des kills, littéralement. Ah, la jet des bugs dans The Diplomat? Ok. En fait, j'ai eu un doute, mais j'avais pas le temps de me plonger plus dessus et je me suis dit j'y reviendrai plus tard et je l'ai pas fait. Excusez-moi. C'est bien le Parc des Princes, au fait. Pas très étonné. C'était exceptionnellement bien. J'ai adoré le live, c'était trop cool et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien, donc j'étais très content du live. Il y a eu. Vraiment, c'était très 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 cool. Kamel, il a kiffé aussi. Et Kamel a adoré, la visite était bien, le lieu est magnifique. En même temps, s'il avait pas aimé, il dirait pas en live que Kamel a détesté. Non, évidemment. Bah, en vrai, si, je pense que si Kamel avait pas aimé, je l'aurais dit. En vrai, je trouve que c'est important dans la transparence de dire bah ouais, il a pas été fan de la visite. Moi, par exemple, tu vois, j'ai haï le musée d'Orsay, tu l'as jamais dit, tu vois, par exemple. Et t'étais là, t'étais gaga, tu prenais des photos, t'étais en mode waouh, espèce de suceur. C'est vrai. True, Florence, il faut que tu viennes dans le lobby.
pense. Ah putain, j'étais en train de spectate une saucisse et du coup j'étais en mode bah ouais, je suis pas dedans alors qu'on était en team juste avant. J'adore respecter cette saucisse là, franchement. Spectate la saucisse. Une drôle de façon de dire que tu mates du porn, quoi. Bah écoute, quelque chose assez normal, hein. Quelque chose qui arrive, hein. Ah, c'était trop bien le musée d'Orsay. C'est bien musée, bien Orsay. C'était trop cool. J'espère que... Phrase de fou. J'espère que le Louvre ce sera bien aussi. Mais je pense qu'il y a... Je pense que ça va être rincé. Donc... Non, ça va être... Évidemment que ça... C'est impossible que ce soit nul. Oui, après, je... faut juste que ça... Comment dire, bah, qu'il n'y ait pas de problème technique. Ouais, qu'il n'y ait pas de problème, mais ouais, on a fait beaucoup de tests et tout, donc ça devrait le faire. C'est quel jour le Louvre déjà? Samedi 20h30. Je ne serai pas en live. Tout va bien. Ouais, je pense que la visite en plus va être un peu longue, donc c'est cool. Non, le Louvre, ça se fait quoi? En 1h30, c'est du train de la patte, je pense. Ah ouais. Tu sais, après, c'est le problème parce que vu que. Tu sais, genre, quand tu te balades un peu seul dans un musée, tu te poses et tout. Là, il y a un conférencier qui te parle H24, donc quand c'est long, tu peux peut-être avoir moins de concentration. Ou peut-être... Philippe, il est trop chiant, c'est une dinguerie. Oh mec, mais Philippe au Louvre, ça me rend tellement heureux parce qu'on l'a amené dans des musées où il maîtrisait moins, tu vois. Et là, on le ramène dans son jardin. J'arrive à Orsay, hein. Il travaille où à la base? Et c'est au Louvre, normalement. Mais en fait, il fait plein de choses différentes. Bah, en fait, non, il fait plein de choses différentes. Il fait plein de choses différentes. Mais genre, du coup, le musée qu'il connaît le mieux, c'est le Louvre, quoi. Mais je pense qu'en vrai, dans mes je pense souvent à ce que je ferais si jamais demain tout s'arrête, tu vois. Non pas que j'ai envie, c'est juste que j'ai besoin d'avoir cette hypothèse pour pas être le bec dans l'eau si jamais ça arrive. Et en vrai, j'aimerais faire l'histoire de l'art ou un truc comme ça. Ça me ferait trop kiffer, je pense, travailler dans un musée souvent. Tellement bien. Je suis tellement une vieille personne. C'est avec Léna Situation qui le fait. Lui. Avec Léna. Léna. Absolument. Le Louvre, c'est son main. Putain. Bah, mais c'est vraiment son main. Hein. C'est un joueur Louvre, Philippe. Hein. Il était trop cool, Philippe. Trop sympa. En plus, il m'a dit après le live qui était l'actrice qui avait été insupportable au musée d'Orsay. Ah ouais. Du coup, je suis trop content. Il m'a révélé les secrets là. Il a tellement d'anecdotes. Et je peux pas le dire du coup. Là, j'ai les inside. C'est qui? Bah, je vais pas le dire. Quel flexeur de merde! Et maintenant, on a envie de savoir. Bah ouais. Je te le dirai si tu veux, Florence. Ah, s'il te plaît, oui, mais la commu, là, maintenant, ils avaient oublié cette info et tu l'as re-agité sous le nez en disant, mais de toute façon, vous saurez jamais. Bah oui, si Philippe m'a dit, tu peux le dire à ta commu, j'aurais dit le nom de l'actrice. Ah oui, mais tu les as retisés pour rien, les pauvres. Indice, elle a joué dans des films. C'est vraiment, tu sais, t'es en soirée avec des potes et tout, et puis d'un seul coup, t'as un truc qui dit non, mais je te dirai plus tard, c'est devant tout le monde. Bah non, je leur dirai pas plus tard, je leur dirai jamais en fait. En vrai, c'est vraiment pas cool pour Marion Cotillard, mais bon. C'était pas elle. Oh, les fake news de fou comme ça. C'était pas elle. Non, c'était une actrice largement connue. Marion a déconné sur ce coup-là. Oui, c'est une actrice. En vrai, c'est une actrice, je pense que plein de gens dans le chat connaissent pas. Elle est connue, mais c'est pas Marion Cotillard. Non, ça n'a jamais été. Il y a jamais une vidéo, par contre. Vraiment pas cool pour Alexandra Lamy. Plus d'infos, j'ai raconté l'histoire en détail sur un compte. Je vais tenter jusqu'à ce que. Il y en a pour un petit moment quand même. Oui, il y en a pour un petit moment. Ah. On joue en team? Ah bon. Putain, vous avez bien joué, carré, la team. C'était effectivement Samantha Oups. Bien joué la team. Son perspicace, hein. Mais vous êtes fort. Attends, mais Antoine, t'es encore réveillé à 1h30, mais. Mais oh, je suis toujours réveillé. Je suis non, toujours réveillé à 1h30. Petit Trackmania après Florence. Tiens à dire que hier, j'ai fini mon live après Rayou. Quoi? Wow, la go. Ah non, mais hier c'était mardi. Ouais, en fait, hier j'étais au Parc des Princes. Oui, et après, donc c'est un peu logique. SMP après. Ouais, après je suis revenu, j'ai fait une nocturne. Ah, voilà, oui, mais j'ai fini après toi. La goutte. C'est un achievement sur Twitch, hein. Bah, j'ai eu un succès vite, toi. J'étais assez étonné d'ailleurs. Mimi Mati a jeté sa merde sur les tableaux infos sur. Non, mais. C'est. Infos sur en vrai. Mais l'info est sûre de ouf.
sera pas cool pour le jeu. Si tu penses la Switch, Stéphane Bourgoin, tu vas trouver un truc où j'explique beaucoup plus en détail. Et d'ailleurs, ouais, on est beaucoup. On angle 3-4 heures de Trackmania après, vite fait. Allez, c'est parti. Tu parles de Laurent Wauquiez toute la soirée, là, j'ai trop hâte. Non, c'est la game de LoL. Cette merde de merde de merde. À 5h, j'ai une petite custom Valo. C'est à 5h que tu dois faire ça avec Foolish ? Ouais, c'est pas une vanne, ouais. Mais non, mais c'est pas une vanne en plus, d'accord. Non, c'est pas une vanne. En fait, en ce moment, je me couche très très tard parce que je full tryhard question pour un champion. Du coup, Tu tryhard question pour un champion. Enfin, quoi. Mec. Ça te fera du bien là un petit peu parce que. Bon, bah, tu sais qu'en vrai, les 2 semaines de train que j'ai fait hors live, ça m'a rattrapé 2 ans de ce que j'ai fait en live, mec. Hein. C'est tellement plus. En fait, réviser hors live question pour un champion, c'est tellement mieux. Fiche. On va se hint. Non, on peut pas Rayou se hint. Ouais. À quel point il y a des gens qui se sont passionnés par QPUC avec tes streams et qui ont décidé de s'inscrire. C'est tellement vrai. Tu sais que Samuel m'a dit que c'était abusé, que depuis que je faisais la nuit de la culture, là en ce moment dans les tournages qu'il fait, à chaque émission, il a au moins quelqu'un qui dit qu'il a regardé la nuit de la culture une fois. Il m'a dit que même lui, il hallucinait sur ça. Jamais regardé. Parce que je me dis, tu sais, des gens qui commencent à regarder vraiment la nuit de la culture et tu sais, qui adorent et tout, ok. Mais de là à vouloir s'inscrire en club et se dire, vas-y, je tente l'émission, c'est un investissement de fou, quoi. J'ai fait n'importe quoi parce que j'étais focus sur ce que je disais. Voilà, je suis une merde. Oui. En fait, il y en a beaucoup et le truc qui me surprend aussi, c'est le fait que les gens regardent beaucoup sur YouTube. En fait, les gens regardent beaucoup plus sur YouTube quand même. Ouais, c'est vrai. C'est ton plus gros contenu YouTube, non? Ouais. Puis c'est celui où t'as le plus de contenu aussi, tout court. Ouais, c'est celui qui est le plus regardé. Je dirais. Ah merde. Ouais. C'est gagné la team. Moi j'ai un très bon ami à moi qui veut s'inscrire à N'oubliez pas les paroles et je trouve ça très fascinant comme training. Il s'appelle Nagui. Il s'appelle Nagui, tout à fait. La grosse Nag. Je pense qu'ils vont le prendre. Hein. J'ai une pote qui a participé aussi et c'est assez fascinant de voir la façon qu'ils ont de s'entraîner parce que si tu dis là à la place de une, bah t'es baisé. Ah c'est perdu, ouais. C'est putain, tellement c'est que dur. Des trucs de merde. Ah ouais, vraiment. 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 Exactly qui me dit c'est ok comme émission. Trop fort, Exactly. Ah bah Exactly, je crois. Putain Exactly. Ouais, je l'ai trouvé un peu à chier perso, mais il a gagné combien? Je crois qu'il a gagné 200. Dans 30 000 je crois, non, je sais plus. Putain t'es riche Exactly hein. Putain de merde. Bravo hein, encore. Oh, il a gagné. Ouais non, il a gagné plus que 130, non? Non, il a gagné 359. Ouais, il est dans mon chat, il va te répondre, je pense. Il a gagné 359 000. Attends, non. Il y a 3 Durian et 1 Berry. Deux berries. Non. Pas des myrtilles, quoi. Mais en vrai, du coup, quand il y a eu ma pote qui passait, j'ai regardé durian, toutes les durian, émissions. Durian, Florence. Durian. Mais merci, Durian. 358, il me dit. 358 euros, c'est bien, ouais. Mais j'ai dit, la game. Mais comment tu dis? Exactly, il a gagné 358 euros. Ouais. 358 balles. C'est une dinguerie. Durian. Mais j'ai dit que tu te fous de notre gueule là. J'ai vraiment sauté dans le mucus, mec. Mais pourquoi t'as fait ça? Bah je pensais qu'il s'enlevait plus tôt. T'es trop con. 4 durian, 2 myrtilles. Non, 2 bananes, 1 myrtille. 4 durian, 2 bananes, 1 myrtille. Non mais c'est perdu hein. Vraiment. Attends, tu vas voir la dame. On va essayer d'éliminer. Alors baiter tout le monde, ça peut le faire mais... Ah ça peut aussi. Ah bah non. Je suis mort. Voilà. J'avais oublié ce que c'était, voilà. Attends, c'est pas mort. Si, c'est mort. C'est pas mort du tout, non, mec. Non, c'est pas mort. C'est loin d'être mort, même. Qu'est-ce c'est très très loin d'être mort, mec. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas mort. C'est pas mort. C'est très loin d'être mort. Et là, on est. Je pense qu'on est qualifié, en vrai. Ouais, je pense aussi, ouais. Pardon. Évite la gélatine, juste. Florence, t'en as pas marre de porter cette équipe de merde sur ton dos? Parce que moi, c'est un peu mon cas. Ça va et toi? Attention, je tente le play. Le play est tenté. T'as baité tellement. Oh non, on a perdu! Putain, vous avez hint et toi, Florence? Putain, on a tellement hint en vrai. Donc on peut pas s'arrêter là-dessus. Ça sera ma dernière. Ouais, j'ai pas fini sur N'oubliez pas les paroles, mais du coup, j'ai regardé l'émission avec quand il y avait ma pote qui était dedans et je me suis dit, je pense que de toutes les émissions de télé, je pense que c'est celle où je pourrais le plus partir d'un bon pied en fait. Impossible pour moi.
Genre tu te trompes sur un le ou un un, c'est... Ah mais non, mais j'ai pas dit que je gagne demain, hein, mais juste à choisir entre toutes les émissions, c'est celle où je pense que je m'en sentirais le mieux. Ça sera ma dernière, que l'on perd ou que l'on gagne, mais on va gagner. Non, 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 on la gagne, c'est... sinon c'est pas non, la dernière. Non, je connais pas Bocal Mania. Ah bah, Georges Santos, non, j'ai vu que vous bah, en parliez dans le chat tout à l'heure, mais j'ai pas... J'ai pas signé, enfin, j'ai rien je connais signé. Pas. Oula, bah, j'ai des preuves. Je connais pas j'ai rien, rien signé. Je pense que je me suis suffisamment bien entraîné pour demain. Je pense que je peux faire top 1 easy. Ouais, ouais, ouais. On va faire top 1, top 2, top 3, top 4. Je pense que mon meilleur jeu serait apprendre ou à laisser. Moi, je sais pas ce que serait mon meilleur jeu. Je connais pas assez bien les jeux télé. Apprendre ou à laisser, ça existe plus, si je sais pas. Je vois même plus. Ah, si, c'est les boîtes. Oui. Il y a des jeux full RNG à la télé, à part les trucs genre l'auto et tout. Bah, ça, c'était full RNG, justement. Ouais, ouais, voilà. Laisser. Mais il existe plus. Mais je sais pas. Non, je crois pas. Non, ça existe plus. Avec Arthur qui masse les meufs, là. Oui. Ah, la bonne ambiance. Et c'est exactement ce qu'a dit Farah dans mon chat depuis le moment où tu l'as dit. Ryu, t'es mute si jamais, je sais pas si c'est normal, mais... Je pense que oui. En tout cas, il l'a depuis le début où il est arrivé, je tiens à le dire. Ouais. C'est ça bizarre de join notre game pour pas parler du tout, mais bon... Oui, le mec est bizarre. Ryu est muted. Hop là. Non, il va pas se mute pendant la game. Quoi. Je suis vraiment à chier sur celle-ci, c'est une dingue. Il pourrait le faire, ouais. Là, il va pouvoir bientôt. Ah non, il y a pas le... Si, je pense qu'il y a le temps. Là, ah, putain, mais les gens... Vas-y, viens, Antoine. Mais quel bouton ! Oh non ! J'ai le rôle. Il est en tryhard, no mic, no cam. Let's go. De lui. Oh, j'en ai marre. Oh, et tout à l'aise, bravo. Hop là. Et rebonjour à tous. Heureux. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Ryu ? Un petit souci de doigt qui ressaignait. Ah, d'accord, ah. Ok. Mais t'es vraiment blessé en fait. Mais je te jure, ça me tiltait trop là, ça va, je commence à m'y habituer. Ah mais tu t'es vraiment fait mal en fait, je pense pas que t'as ce point. Tu te l'es fait en live ou hors live ? Non c'était hors live, c'était juste avant de partir au Parc des Princes, j'ai fermé ma porte et je me suis... En fait, en gros je me suis refermé sur le doigt et en gros dis-toi que trois trucs de papier toilette ont été remplis genre, de rouge de sang. Ouais. Et ensuite genre j'ai paniqué, je suis allé dans mon épicerie à côté et mon épicier qui me connaît très très bien, il m'a donné... En fait il m'a fait un strap au début. Et ensuite je suis allé à la pharmacie et... Ah ouais. Parce qu'en fait mon épicier était plus proche que ma pharmacie. Mais ouais... Putain mec, si t'avais fait ça en live le clip de fou, quel dommage en vrai. Ouais. Putain mais mec, t'es... Après, t'aurais... Non, en vrai t'aurais été ban pour self-harm et le loup c'était dead. Ça aurait été pas de chance. Ouais. Tu sais qu'hier j'ai pensé au clip de fou parce qu'on était sur le toit du Parc des Princes et ça glissait de ouf. J'étais en mode imagine, je glisse du toit du Parc des Princes et je tombe. Oh le clip. Quel clip, oh non, mec, le content avant tout, mec. Arrête. Putain, j'aurais dû tomber, mec. Putain, content, pas... mec. Ou tu pousses quelqu'un, mec, je sais pas, genre... Je sais vraiment pas faire de contenu sur internet, hein, ouais, c'est vraiment free. Bon, c'est pas grave. Non, mais c'est cool que t'ailles bien, quoi, mais bon, quand même, le contenu, quoi. Ouais, le contenu, quoi. Bah, c'est ce qui compte, mec, au bout d'un moment, tu sais, on s'en bat les couilles, hein. Bonjour, monsieur l'épicier, je n'ai plus le doigt. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Vous inquiétez pas, je suis le GOAT. Ok, vas-y. Ok. Vous inquiétez pas, je suis en full GOATing là. Vous inquiétez pas. Vas-y, c'est laquelle, celle d'après là ? Deuxième en partant de la gauche. Bien joué, et celle d'après ? Mortal, Antoine. Toujours la même, deuxième en partant de la gauche également. Ouais, non. Perdu. Non, c'était la 3. Et là, la dernière, c'est la 4, c'est à 3, centre, on est d'accord centre, hein. Centre, non, c'est à 3, non. Oui, t'as raison, bien joué le GOAT. Mm-hmm. Ah, je finis devant Antoine. Bah ouais. Loin devant d'ailleurs. Ah, Antoine, plus 15 points, le mec troll en vrai. Oh non, mais calme. Plus c'est la dernière game, mais est-ce qu'on peut faire un top 1 pour la tête? Mais bien sûr qu'on va faire un top 1. T'as à dire top
dire top 1, c'est quand même un truc de fou. Top 1, ouais. Top 1. Top 1, les gens. Yeah, check this out. J'ai fait top 1, là. Yeah. J'ai voulu faire top 1 sans l'aide d'aucun copain. J'ai dans la voulu puissance... faire top 1. La puissance d'un forain, ni le charisme d'un vigneur. Le problème, c'est qu'à chaque fois que j'entends top 1, j'ai ce brainworm dans ma tête pour toujours, je pense. Et pareil, c'est... désolé. Je pense que t'es un peu responsable de ça, je pense, en vrai, Antoine. En vrai, le vrai responsable de ça, c'est Squeezie, hein, je vais pas te mentir. En vrai, c'est vrai que le responsable original, c'est Squeezie. Voilà. Mais... enfin, une part de responsabilité assez huge là-dedans aussi, quand même. Pas dans la chanson de base, hein. Bah déjà, d'une petite, parce que c'est des toiles paroliers, quand même, on rappelle. Non, je suis une merde. Oh, c'est ouf d'être une merde, pareil. Non, arrête de dire ça, Florent. Non, c'est vrai, non, mais c'est vrai, il y a un moment où... Non, elle a raison, elle a raison, elle a raison. Florent, est-ce que tu peux arrêter d'être négative avec toi-même, parce que c'est très mauvais. En plus, dans le lore de ma chaîne, il y a une brigade anti-autodépréciation. Bah ouais. Et je suis la pire de ce côté-là. Je suis pas sûr que tu sois pire en vrai dans ce. Ne serait-ce que dans ce vocal, tu vois. Je sais pas. C'est vrai, dans what the fuck. Après, il a beaucoup progressé quand même. Hein. Pourquoi tu t'es senti visé, mec, si c'est pas toi? Il a beaucoup progressé, le petit. Parle peut-être hein. De JD, tu sais pas, ou de moi, tout simplement. J'ai progressé de ouf en vrai. Non, c'est sûr qu'on parle pas de toi. Hein. Sur l'autodépréciation, y'a pas de risque. Hein, effectivement, vu que je suis. Non, ok, je vous explique clairement. C'est juste que je suis ni trop objectif avec moi-même, et vu que je me connais parfaitement, les gens voient. Je suis ni trop objectif avec moi-même. Genre, je me connais. C'est jamais de l'autodépréciation, c'est juste de la connaissance parfaite de qui je suis. Et ça, les gens ne comprennent pas, tu vois. Les gens pensent que c'est de l'autodépréciation alors que juste je connais par cœur. Et on est tous morts, mais je crois qu'on a quand même qualifié. Ça passe large en plus. Ça passe. Je l'art même, je dirais. À la brigade qui débarque là. Mais ils savent pas qu'il faut crever pour que ça s'arrête, sinon ça s'arrête jamais en fait. Non, tu dois quand même avoir un timer, je pense. Ouais, mais il est en très longtemps le timer. Ah! Pas mal à ça. Il est horrible ce skin avec cette coupe de cheveux là. Ah ouais? On dirait un gland. on dirait un prépuce. On dirait un prépu. Un prépu. Putain, moi c'est comme ça que j'ai envie d'appeler mon fils. Prépuce. Prépuce? Ouais, je l'appellerais prépu, je pense. C'est vraiment ça. C'est un peu romain comme nom, tu vois. Prépuce. Comme Caius, tu vois. Caius, ouais, Caius prépuce. Ouais. Vous saviez qu'il y avait quelqu'un qui avait appelé sa fille Clitorine? On me l'a dit une fois, c'était ouais. un cousin qui connaissait Clitorine. Ah ouais? Oui. Putain. Moi, c'est mon parfum préféré de glace. Clitorine? Ouais. J'aime trop ça aussi. J'ai eu le jingle quand j'ai dit ça, c'est trop bien. Putain, tu bois de la limonade de chatte, mec? Oh non! Bah en vrai. Immonde. Un vrai? Oui, hein! Oh, Yuta! La fameuse limo chat, ouais, tout à fait. Oh, Yuta, on peut rigoler! Oh, c'est beau, Yuta! Bah, c'est un peu. Après, bon, moi, c'est l'heure, hein! C'est l'heure pour la limonade de chat. Hein. Et toi, c'est un peu notre Jean-Marie Big, quoi. c'est parce qu'il est diabétique de type 1. Il est diabétique, Jean-Marie Big. Ouais, il est diabétique de type 1. Ouais. Et pourtant, il est à fond sur l'alcool. Bah ouais, mais il est diabétique de type 1. Bah, je vous avais raconté cette anecdote il y a très longtemps où j'allais regarder, quand j'étais plus petit, j'allais dans le public d'On va se gêner et je regardais. Ah ouais. Et un jour... en fait, je suis dans le public et je me mets à piquer. Comment il était la ruc, quoi? Bah, c'était sympa à regarder à l'époque. Bien sûr, j'imagine. Et je me piquais avec un stylo à insuline et il y a des gens dans le public qui me regardaient comme si je me piquais avec de l'héroïne, en mode c'est bizarre, tu vois. Et le mec qui est dans le public de l'émission qui se pique à l'héro, quoi. Ouais, c'est ça. Putain, mais tourne la cam. Et Bigard, il se rend compte que je me pique et il se rend compte que les gens dans le public regardent. Il dit vous inquiétez pas, c'est de l'insuline, il va pas se mettre un truc dans le cul, hein. Il a dit ça. Voilà. T'avais quel âge quand il a dit ça? Je crois que je venais d'avoir 18 ans. Je crois que j'étais il assez jeune. Il venait d'avoir 18 ans. Ouais. Il était beau comme un enfant. Et il t'a fait une bigarre, quoi, bien sûr. Il m'a fait une bigarre. Ouais. Putain, mais il t'a fait une bigarre. Bigarre. T'as eu une bigarre rien qu'à toi, mec, en vrai. C'est, quand même c'est vraiment un privilège de ouf. C'est la farandole à toi tout seul, quoi. Oh putain, j'ai détruit. Non, c'est pas la farandole. C'est quoi le terme de la vidéo? Le florilège. Le florilège, j'avais plus. Dont est tirée ma célèbre chanson Big Heart, un classique que je vous conseille de réécouter. Bien sûr, que t'as fait découvrir au public anglophone, on rappelle aussi.
c'était une merde. Ah oui, j'ai fait découvrir Iron Mouse, bien sûr, évidemment. Oui, bien qu'est-ce qu'elle est drôle, Mouse. Tu te qualifies en plus, Anglu. Ok. C'est ma petite préférée. Anglu, on a besoin de ta qualif. Ah mais Ryu est pas mort. Non, je suis pas mort là, team. Un de vous deux, j'ai peut-être fait de la merde, hein, sur ce coup-là. Non, en vrai, si l'un de vous deux se qualifie, je pense qu'on est qualifié. Oh, mais moi, vous inquiétez pas, j'ai même pas besoin d'ouvrir les yeux, je pense. Non. Ah quoi ? Merci, Ryu. Ah, mais je savais pas. Ok, mais je pas. What did you say? What did you say? Je savais pas qu'il y avait un timing, my bad. Ah mais c'est que... My bad là-dessus? Bon allez, moi je vais vous laisser, je commence à être dead. Et bah bonne nuit le goat. Et bah bonne nuit. Moi j'en aurais bien fait une der de chez der. Bah moi j'y vais, vous la faites oh tous non, les trois. Oh non, pas une dernière. Bon la vraie der, ok. La vraie der. Allez, la vraie de vraie. La vraie der. Attends, il est 2h du mat, c'est-à-dire que j'aurai le temps techniquement pour 4 games de LoL, ok. Allez, la vraie der. La vraie der. La team ou la solo pour finir? La team. Allez, petite team pour finir. Solo, petite solo, non? En solo, alors. Pour que tout le monde puisse jouer, non? Okay. Ah non, dans tout... oui, non, il y a raison. Oui, en fait, la team, c'est plus cool parce que si quelqu'un se fait éliminer tour 1, c'est un peu nul vu que c'est la der. Tu as raison. T'as raison. Voilà. Non mais je, les amis, je vais pas par contre le... Ryu et Florence, faut que vous vous mettiez prêts, je vous en supplie. Bah si, mais c'est assez imminent là. Attends, c'est juste leur dit qu'il lag, je pense. Vous en supplie par contre. C'est juste leur dit qu'il lag un petit peu parce que j'ai une 4080 et pas une 4090, tu comprends? Oh les pauvres. Je peux pas quitter l'émission, quand je vais quitter ça marche pas. Start, plus. C'est quoi ce jeu, frère? T'arrives. Ça marche pas. Je clique gauche littéralement et ça ne marche pas. Quitter rejoin. Et ça... Oh non, je dois quitter le jeu, la flemme. Toi, ça ne marche pas. Ah, désolé, Antoine. Bah attends, ouais. On attend qu'il revienne. Lancez à 3. Non, surtout mais pas. Mais non, reviens. On t'attend. Ok, j'arrive, la team. Faut me réinviter. Je profite pour J'attends que tu sois dans le jeu. Non, parce que la basse de la musique de Fall Guys, elle est insane, je trouve. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Je la trouve vraiment incroyable. Quoi? Non mais... La manière dans laquelle tu l'as dit, on dirait trop de ça. Un mec genre dans un bar jazz. Ah oui, en vrai la basse dans la zig. Moi j'avoue que c'était un peu snob. Insane. C'était un peu snob sur les bords. Bah moi j'aime pas trop le jeu vidéo, mais est-ce que t'as déjà entendu la basse de la musique de... En plus, ouais, le seul truc qu'ils connaissent, c'est la musique de Fall Guys, qui est vraiment une musique de débilos, quoi. Moi, le jeu vidéo, je suis pas vraiment fan, mais est-ce que t'as déjà entendu le bruit que Mario fait lorsqu'il mange un champignon? Franchement, le rou, franchement, c'est une dingue. C'est une dinguerie, hein. Oui, en vrai. Oh, putain, C'est une dinguerie. Putain, en vrai, j'ai vu l'orchestre philharmonique de Tokyo jouer le bruit du champignon, là, c'était ouf. Oh, ça faisait trop plaisir. Putain. J'adore la trompette dans le jazz. Oh, Ishiria joue moisin. La trompette. C'est une musique, étoile. De 60 ans. Merci. Vous pouvez appuyer sur le bouton. Pourquoi étoile, tu angle droit. Mais bah, j'ai acheté des trucs dans le shop, excusez-moi. C'est une dinguerie de l'appeler angle. Pourquoi ça pas mais il y a pas le truc en angle. Angle quoi. Angle Droid. Ça s'appelle angle. Ça s'appelle pas angle, frère. Ah, t'as changé ton skill, Ryu. Ici. Ouais, j'ai décidé d'être le GOAT dans cette game. C'est marrant parce que ton personnage, j'ai l'impression qu'il est plus petit que les autres, mais c'est parce que juste que t'as pas vraiment de skill. Non, c'est juste une référence à ma bite. Ah. Ça m'étonnerait. Elle est tu énorme. Te remets prêt après, Ryu, quand t'as fini ton... Ah. De te changer. Excusez-moi la team. Quand t'as fini ton petit cirque là. Eh, en vrai, c'est joli ces couleurs là. Merci, mec. Ah, le violet, c'était mieux, je trouvais. Ouais, je trouvais aussi. Ouais, j'écoute de tout sauf du rap, quoi. Moi, j'écoute que de la musique, en fait. Moi aussi, je déteste le rap. Ouais, j'ai vraiment... Ouais, j'écoute de tout sauf du rap. Non, par contre, j'arrête pas de penser à un truc. Chrono et Pampan et... Renard. Et Renard, ils avaient fait une tier list des genres de musique. Et oui, et il y avait la catégorie raciste, ils ont mis country dedans, et ils ont raison. Pourquoi tu racontes à ma place Oh, je pensais pas que tu voulais dire ça exactement. Bah si, c'était exactement ce que je voulais dire. My bad là-dessus. Voilà, pardon. Et j'ai jamais vu un truc aussi vrai que la country catégorie oui, raciste. C'est vrai. Pardon, vrai. Désolé, je pensais pas que t'allais dire cette anecdote précise. T'inquiète, tu l'amènes pleine que 40 fois ce soir. Ouais. Oh non, mais c'est un peu la routine finalement.
Je vais me taire, je me tais. J'espère qu'au bout d'un moment, j'aurai un prix assez à force dans mon chemin. Ah bah là, les Twitch Awards, là, bientôt, t'inquiète, tu... Les Twitch Awards. Le plus grand mansplainer, Antoine, bien sûr, évidemment. Ah mais je te jure qu'en vrai, les Streamer Awards, c'est... Je pense que je regarderai cette année en live. Bah regarde. Parce qu'en vrai, ah, en live, tu vas le streamer, tu veux dire? Ah non, 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 mais non, c'est une blague. Non, en plus, je serai au State, donc. Je serai au Genesis. Ah, Phil Collins. Ouais. Ah, Ken Dance. Ah premier, vous? Bah, moi. Pas tellement. Ouais, quatrième, perso. Comme les Royal Comedy Awards, j'essaie. Non, pour le coup, c'est vraiment bien. Enfin, c'est vraiment. C'est fait par des gens qui font du stream. Quoi, bah, attends, parce que. Patrick Timsit, il faisait pas de. Il avait pas de chaîne YouTube. Puis c'est vraiment bizarre. Fou. Ouais, j'ai. Bah, t'as fait la vidéo dessus, mais c'est vrai que quand j'y repense. Patrick Timsit, Anthony Cavana, vraiment. Enfin, c'est des gens qui n'étaient tellement pas pertinents pour le Anthony truc. Ça m'a tué. Anthony Cavana, en vrai, il avait regardé une vidéo de. De Hugo Zouzol une fois. Hein, c'est ça. Tu parles de quelle conférence, JD? Non, les Web Comedy Awards, c'était le truc de YouTube d'il y a 10 ans. Ah, je connais pas. Oh, c'est normal. Tu connais pas, mec. T'as les 10 ans, mec. Non, moi, je connais pas. Il faut que tu vois, il faut que tu ailles voir la vidéo de JD qui en parle. Ah, il faut vraiment que tu vois ça, par contre. Ah, c'est exceptionnel, mec. C'est exceptionnel. Ah, c'était une cérémonie créée. Enlève ton bloqueur de pub quand tu la mates, par contre. Ah non, pas c'est bon, vraiment une cérémonie extrêmement cringe, complètement. Elle doit être même pas monétisée cette vidéo, JD, si. De quoi? Elle est monétisée ta vidéo sur les Game Awards. Oui, pourquoi? Bah pour savoir s'il fallait enlver la pub ou pas. Oui, non, oui, si, elle non moi je mets un bloc quand je regarde les vidéos de JD, de toute façon. Oui, voilà, voilà, bien sûr. Non, mais... L'inverse m'aurait étonné, Antoine. Ah, un centime n'ira à cet escroc, qu'on soit bien clair. Les gens peuvent regarder avec le bloqueur, moi ça me dérange pas en vrai. Eh bah attends. Oh non! Ok. Florence, JD, on compte sur vous à 100%. Très bien. On arrive là, c'est imminent. Sauf si je me fais int, bien sûr. Je suis okay. Avec mon frérot. Je suis avec mon frérot. Il va falloir quand même passer, mais ça on peut va le passer. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est bon. On va passer la team. C'est la vidéo qui date d'il y a 3 ans. Ouais, c'est ça. Oui. Exactement. Pendant le ah mais j'ai déjà vu. Ok, j'ai déjà vu des extrêmes. J'ai jamais vu ta vidéo. Ouais, j'ai en déjà fait, vu. C'était une cérémonie qui était censée être genre les Césars de YouTube, mais genre il y a 10 ans. Mais en fait, c'était un truc qui était méga sponsor Orangina et tout ça. C'est trop de la merde. Mmh. Et c'était diffusé sur W9. Le maître de cérémonie c'était Anthony Cavana. Aucun rapport avec pourquoi YouTube. Pourquoi pas. Et l'invité d'honneur c'était Patrick Timsit. Parce que aucun pourquoi rapport pas. Avec YouTube aussi. Enfin voilà, c'était une cata. De fois. La vidéo la plus récente de JD, donc putain, vous êtes des bâtards, elle en a sorti une le mois dernier. J'en ai sorti deux dans les 5 mois. Voilà. Deux dans les 5 derniers mois. Ah. La dernière vidéo de JD est très très bien, je vous incite à aller la voir parce qu'il le dira pas de lui-même, mais moi je le dis pour lui. Voilà. Ouais, elle est mid-tier correcte. Oh, mais putain, mais. Non, elle est. Antoine, s'il dit un truc agréable, il meurt, je pense, non? Je suis désolé, je suis trop dans mon personnage. C'est une vidéo authentique du YouTube 2017, et toi, t'es une merde. C'est une vidéo authentique du YouTube de 2017. Mec, non, j'étais trop unlucky, je te jure. Mais en vrai, on n'est pas éliminé. Je suis unlucky, désolé. Oh ah, non, pas de chance. J'étais Ok, on n'est pas éliminé si vous restez. Ah, mais en vrai, il y a 5 canons, c'est pour ça que c'est super dur. Hein. Ah oui, c'est pour ça. Oui, il y en a deux au-dessus en fait, des 3. Ah, ouais, j'avais pas fait c'est gaffe. Pour c'est pour ça qu'on c'est juste pour, on a juste le rôle. Florence la goutte. On est toujours qualifié pour l'instant. Mais ouais, la dernière vidéo que j'ai sortie, c'est une vidéo qui a été littéralement écrite et tournée majoritairement en 2017. Donc si vous voulez replonger dans le temps, n'hésitez Florence, pas. Florence, c'est gotesque. Hein. Mais Florence, c'est gotesque ce soir, ah, je te dis. Bien ta vidéo, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai dit, de toute façon. C'est parce que, tu vois, c'est parce que t'es un vieux de cette époque-là, c'est tout. Hein, c'est... Et justement, ce genre de vidéo, moi, je suis devenu un peu insensible avec le temps, mais... Non temps, ah, allez, Antoine. Oui. Tu tiens le monde sur tes épaules. Il y a le Atlas. Oui, oui. Absolument, je suis le Atlas de cette Tiens-le game. Bien quand même parce qu'on est un peu dans la... T'inquiète. Ah non, c'est pas bon. Faut que tu tiennes... Oh, non mais en fait c'est gagné, je crois. Même si tu meurs, c'est gagné. Antoine, est-ce que pour donner un peu de suspense au chat, tu peux te suicider maintenant? Non, fais-le pas quand même dans le doute. Antoine, s'il te plaît. C'est la DER, IRL, hein, Antoine, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, mec.
Oh, t'es une dinguerie, comment tu sais pas jouer avec le feu? Oh le goat. Oh le goat. On a gagné, on a gagné, on a gagné. Oh le goat, putain, on est passé qu'à 40, hein. C'était close, hein. La coupe de cheveux de hard disk dans la vidéo m'a perdu dans l'espace-temps. Ouais. Oui, oui, oui. Eh, vous êtes tenu le ventre, le chat, non? Là, ils sont chiés dessus. Littéralement. Putain, qu'est-ce qu'on s'est. C'était réel pour le gag ou t'es revenu 5 ans après? J'ai vraiment fait deux fois l'aller-retour tonon la défense pour la vanne. Et ouais. Voilà, bilan carbone, pas ouf pour cette vanne, j'avoue. Mais, bah non, tu l'as fait en train en plus. Oui, mais bon, quand même. C'est sûr qu'à côté de voilà, ces trois personnes qui se baladent en jet à longueur de temps. Voilà, je pense que l'état du monde va s'en remettre, JD, je te cache pas. Ou nous, par exemple, qui sommes allés aux États-Unis cet été. États-Unis d'Amérique. Les merdes que nous sommes. Mais non, on a fait le event. Et moi, j'y retourne, mec. T'as pas honte? C'est Smash Bros, mec. T'as pas honte? Non! Le pingouin, il est tombé dans le vide! Ok, tu ne l'as fait encore pas. Oui, mais du coup j'ai pris beaucoup de retard, je suis désolé. Oula, 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 oula. On est quand même derrière toi, GD. Hein. Quoi? Bah vous êtes ouf, mort. Faut se dépêcher. Vous êtes mort. Non, 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 non. C'est vraiment non. Pas passé. Va falloir se dépêcher. On se dépêche? T'inquiète. J'ai chaussé mes chaussures rapides. Ah, malheureusement les amis, on a été tag avec des randoms qui savent pas trop jouer au jeu, donc il va falloir un peu tryhard là. Ouais, ouais, des randoms. Ah oui, non, d'accord, tu parles de nous. Ouais, t'as compris. Okay, j'ai la main. Bien, j'ai de... Non, non, mais attends, attends. On rappelle, chaud, il est tombé frame 1 sur la game d'avant. Hein. Ouais, mais en fait, si tu te concentres par rapport au passé, tu vas jamais avancer. Hein. Il dit rien, juste il se fait bolosser et il accepte, ça me tue. Oh, ouais, j'accepte, mec. Amikos. Bon là c'est chaud là, là faut pas se faire... Oula, oh, là, c'est chaud voilà. Là. C'est fait tito pour moi. De rien. De rien. C'est bon pour moi. Deuxième. Voilà. Oh, ça oh non. Florence, pitié. Ça dépend Florence, de toi. Absolument que tu passes. Florence, non, mais je crois qu'il faut... Ah, ok, t'arrêtes de me mettre la pression s'il vous plaît. J'ai hint, j'ai hint, j'ai hint. Mais attends, mais JD c'est fou, tu n'as notre gueule. J'ai hint de fou. FF. Et s'il y en a un autre, aucun autre qui passe, c'est bon, mais sinon. Ah ouais, mais non, ça va nous TO. Non, non, on est troisième là. Ça va nous time out là, je pense. Non, non, non. Oui, ça va nous TO, mais s'il y a personne d'autre qui passe et qu'elle arrive à passer, c'est bon. Vite, Florence, tu es la meilleure. Ah, il y a quelqu'un qui est passé, mais de l'autre team, ça va. Tu es la meilleure, Florence. Attendez. Reprends mes esprits. Florence. Allez, Florence. Allez. Allez, Florence. Non, faut pas qu'il passe. Vite, Florence. Non, il passe devant. Non. Elle a hint. Oh wow, non, je suis désolée, je suis tellement décevante comme personne, c'est une dinguerie. Le vrai hinter, c'est JD, le vrai hinter, c'est quand même. Pourquoi? Parce que Florence, elle est passée, vous me l'avez pas dit pour me faire une surprise. Oh putain. Merci Fish pour le raid, merci beaucoup, on va faire les chats juste après, c'est notre dernier run. Sur. Nader, Antoine, on va pas terminer sur... Non, non, c'est finito. GG, c'est chat. C'est une petite dare, la golden dare, là. La Golden Dare, j'ai déjà fermé le jeu. Un petit raid là, c'est pour la Golden Dare. Et bah. J'ai fermé le jeu. Il a fermé le jeu d'avance. Et bah vas-y, c'est ciao. Voilà. Et bah écoutez la team, je. Et bah c'était bien agréable. Et bah on se retrouve demain en soi. Pour le FFS. À demain pour le FFS. À demain pour le FFS. Bisous, bisous, ciao. Des gros bisous, merci beaucoup. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao.